in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Back to back.
NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket et tous les fans de NBA s'associent pour une campagne de vote à l'attention de Joel Embiid, la star de Philadelphie, pour participer au All-Star Game 2017. Alors joignez-vous à nous. Votez Joel Embiid. Pour cela, créez un post sur votre compte Facebook avec ce statut: Joel Embiid, hashtag NBA, vote. Alors si vous êtes fan de Joel Embiid, n'attendez plus une seule seconde, prenez votre téléphone, et votez. C'est bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes
bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio Off Basket par mail à l'adresse info@radiooff.net. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur RiscoSoft IRM. RiscoSoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels RiscoSoft sur le site internet www.riscosoftcorp.com. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sûr Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
avec les amis, ça nous fait extrêmement plaisir. Des milliers d'auditeurs connectés pour écouter votre talk show favori, hein. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Hop! Radio Off, Radio Hall of Fame, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basketball à travers le monde. On le sait que vous êtes fans de ce sport, vous adorez cette balle orange, vous êtes fans de cette grande ligue et vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. J'irai donc dire que ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Vous le savez bien, je m'appelle Philippe Lélé et je suis bien basé du côté de Manchester au Royaume-Uni. Et je suis toujours accompagné de mes deux partenaires, les deux membres du Big Three sur le parquet de Radio Off, à savoir le Doc O&P depuis la France. Bienvenue le Doc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Respecter massivement pour le No Limit Basketball du jeu. No Limit Basket. No Limit Basket épisode. Épisode 10 hein, de cette deuxième saison, il faut le préciser. Donc le Doc N.P. est bien positionné sur le parquet de la radio. Et on a aussi donc la présence de Pierre Gouameux, aka Amopo, depuis le Delaware. C'est comment mon frère? Non, mon frère, bonsoir. C'était l'Amérique, bonjour à ceux qui sont du côté de l'Europe, la Afrique, hein, bonjour à nos amis de l'Asie, particulièrement à Stalemos. Stalemos, depuis les Philippines. Shout out à tous les gars. Big up. Shout out le special guest online, man. Voilà. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet. No Limit Basket épisode 10, hein, vous le savez comment ça se passe dans cette émission, une émission dans laquelle on fait le point sur l'actu live, hein, les toutes dernières infos, les toutes dernières news hein, provenant de la Grande Ligue. On va donc faire le point avec ces informations tout à l'heure. Et bien entendu, on a aussi la présence d'un de nos fidèles auditeurs sur le parquet de la Radio Off. Il s'agit de Adrien. Adrien, depuis la France, sur le parquet. Bienvenue, Adrien. Merci, Philippe. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio à la fin. Merci de me recevoir là aujourd'hui. Ah, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois. Bon dia. Ouais, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois connecté avec nous. Tu dis quoi, mon pauvre? Il démarre doucement. Hein. J'entends un vibreur là. C'est le vibreur de quel téléphone ça? Bon. Ah, c'est pas mon téléphone. Adrien, hein, c'est ton téléphone. Il y a un vibreur là, ça vibre quelque part. Essayez de voir les pour. Le message des fans. Tu écoutes en direct. Le message des fans. Ah, Adrien, je disais qu'on est très très heureux de te savoir avec nous sur le parquet. Après nous avoir écouté pendant quelques temps, tu t'es décidé à nous rejoindre pour partager un peu quelques drives, quelques shoots, quelques paniers, hein? Hein, mon frère? Ouais, tout à fait. Hein? Alors, voilà, on est très très heureux de te savoir avec nous ce soir. Allez, on va donc enchaîner avec le programme de ce soir, j'allais donc en parler. On a donc le sacro-saint Twitter NBA Show, le Twitter NBA Show, pendant laquelle on fait donc le point sur les toutes dernières infos, les informations qui sont tombées il y a quelques secondes, quelques minutes en direct de la Grande Ligue. Ensuite, on fera bien entendu le point sur les matchs de la nuit, hein, les matchs de la nuit et bien entendu quelques points sur les previews des victoires attendues pour les matchs de ce soir. Hein, il y a un match qui est en train de se dérouler du côté pas loin de chez moi, hein, du côté de Londres, là, à moins d'une heure, hein, les Pacers contre... C'est contre qui, là, Doc? Je sais pas, je me souviens plus, là. Contre les Nuggets. Les Pacers contre les Nuggets. Tu peux rappeler le score ou pas? Tu as encore le tableau devant toi? 107 pour les Denver, 79 pour les Pacers. Alors, je te pose la question, Doc, hein, parce que bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de jeter un œil là-dessus.
Toi, ton premier ressenti, et après on va aborder sur ta rubrique tout à l'heure. Mais ton premier ressenti par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu vois, est-ce que tu vois que la NBA nous vend quelque chose d'intéressant ou tu vois que c'est du BS, comme dit souvent Mopo ici? Oui, non. Là, c'est total BS, mais. Que les gens. Pourtant, les Anglais sont récupérés un public chaud quand même, mais là, il n'y a rien qui peut les chauffer. Hein. C'est vraiment. Heureusement que c'est là. C'est nul. La première nation de basket en Europe. Sinon. C'est pas très bon pour l'image NBA, ça, en tout cas. Oh, mais les gars jouent, hein. Je sais pas s'ils ont oublié que ça compte pour un match de la saison régulière, quand même. Qui va compter? Ils ont peut-être oublié que c'est un match de saison régulière, quand même. C'est clair, hein, dans un match assez pauvre. Hein, donc, de toute façon, on va faire le point sur l'évolution de ce match. Hein, on va quand même en parler. On va regarder quand même le box score, ce qui est quand même important. Allez, donc, NP, et puis, vas-y, mets-nous, fais-nous un petit teaser sur ta rubrique. Ça envoie que sur No Limit Basket, épisode 10, deuxième saison ce soir. Oui, voilà, pour l'épisode 10, deuxième saison. Comme la semaine dernière, on va continuer dans des grosses séries de playoffs, les séries légendaires de playoffs qui nous ont marqué dans cette histoire de la NBA. C'est le moment qu'on aime le plus, hein, les playoffs, on l'a dit. On vit pour ça. Cette saison régulière, c'est juste pour nous mettre un peu de l'eau à la bouche. Mais là, ce qu'on attend tous, c'est les playoffs. Mmh. Et quelques anciens en ont vécu des... Alors le doc, ton micro, on t'entend pas. Alors le doc, il doit avoir un souci avec son micro. Pierre, tu l'entends toi? Non, son micro doit avoir un souci. Moi je ne l'entends pas. Oui, Simon, il a un petit souci avec son micro, le temps de le récupérer, on va... Simon, tu m'entends? Non, Simon, il a un petit souci avec son micro, ça lui arrive... C'est des choses qui arrivent souvent, des aléas du direct. Allez, sans plus tarder, on va balancer les préalables, hein, avant chaque talk show, ces préalables qui sont importants pour tous les nouveaux auditeurs de la radio, hein, pour vous permettre de vous familiariser avec les habitudes de la radio, comment participer, comment nous contacter, comment réagir pendant ce direct live. Et ensuite, on enchaîne avec Twitter NBA Show. Les amis, à tout de suite pour le direct live. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radioff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse sur internet, www.radioff.net. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Voilà, voilà, reprise du direct live sur le parquet de la Radio Off. On attaque pour cette première partie de ce talk show sur Radio Off, Basket Radio Hall of Fame. Basket, allez, on va refaire la passe au Doc One P, Doc One P, hein, qui nous faisait donc un teaser, hein, par rapport à sa rubrique, la rubrique qui va attaquer dans cette troisième partie, hein, la troisième partie de ce talk show, hein. Le Doc, vas-y, reprends, mon frère, hein, on a eu une coupure tout à l'heure. Oui, donc, désolé à tous nos auditeurs, on va essayer de vous mettre l'eau à la bouche pour rester jusqu'à la fin de ce No Limit Basket 2017, c'est le deuxième, la 2017, la nouvelle année. Hein. Et donc, on est dans des séries de playoffs de légendes qui nous ont marqués. Et donc, aujourd'hui, parce que la semaine dernière, j'ai parlé d'une série épique des années 90 et une série épique des fins des années 90. Donc, aujourd'hui, on va aller dans les années 2000 un petit peu pour ne pas perdre les plus jeunes, hein, pour qu'ils essayent un petit peu de comprendre que c'est à toute époque on a connu des grosses séries de playoffs légendaires. On va varier aussi. On était plutôt en conférence Est la semaine dernière entre les Bulls New York et ensuite entre New York et Miami. Donc cette semaine, on va aller du côté de la côte Ouest avec une série de finales de conférence entre les Lakers et Portland en 2000. Série épique. Des 7 matchs. Série épique, ça. Dramatique. Totalement dramatique. Je me rappelle, je supportais Portland cette période-là et j'ai vraiment eu mal dans cette série. Mais par contre, on a tous kiffé. On a tous kiffé cette série et on s'en rappelle jusqu'à présent. Ah, Adrien, ça te rappelle des choses, non? Oui, la fameuse série avec les Sabonis. Ouais, tous les gars au bandana de Portland qui avaient décidé, avec Scottie Pippen et les autres, à mettre un bandana, Damon Stoudemire et tout. C'était vraiment la première grosse équipe en termes de salary cap. Je pense qu'ils payaient une taxe, une luxury taxe de fou. Ils avaient réuni quand même Steve Smith, des Scottie Pippen, des Sabonis. Une grosse équipe, ouais. Très ah oui, équipe. Donc et les Lakers en face et donc et l'autre série de la côte ouest un peu plus tard dans les années 2000. C'est en deux phases, en 2005 et 2006, parce que le départ de Steve Nash de Dallas a fait des traces et le sort a fait que les deux équipes se rencontrent les deux années suivantes en playoff. C'était la folie. Steve Nash adulé à Dallas s'est retrouvé sur ses anciennes terres sifflé, mais avec le couteau entre les dents et l'esprit de vengeance dans la tête. Donc ça a donné lieu à deux séries en 2006 et 2005. De c'est clair. C'est clair. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok. C'est du très bon, très très bon avec le Doc One P. Donc restez connectés, on va attaquer. Ça revient tout à l'heure l'épopée hein, des playoffs NBA dans l'histoire de la NBA. Ça va être très très intense tout à l'heure. Allez, on va attaquer rapidement avec le Twitter NBA Show. On va commencer très vite. On va aller d'abord du côté de Philadelphie. Hein. On va rester chauvin. En tant que Camerounais, on va rester chauvin. On va parler de Joel Embiid, de quelques news sur Joel Embiid. On reviendra sur la dernière victoire. Hein, Jojo qui a un peu fait souffrir. Hein, Mopo, Jojo qui a un peu fait souffrir Melo, hein, ou Kristaps Porzingis. Gros match. Hein, tu l'as pas hein. C'était comme si... Je pense qu'il n'a pas été très bon hier, mais il a su être efficace, ouais. Surtout en défense. Et... Oui, Adrien. Parce que quand tu regardes le nombre de tirs qu'il prend, il ne marque pas beaucoup. Et il a quand même su se faire respecter derrière parce qu'il a pris beaucoup, si je ne me trompe pas, 14 rebonds. Oui, c'est ça, c'est 14 rebonds. Pour ajouter dans ce que Pepito t'entendit, il a bien précisé hier, il a vu, parce qu'en fait la différence entre un bon joueur et un joueur qui sait comprendre le jeu, qui gagne en maturité, c'est de savoir que je ne vais pas scorer 25 points chaque jour, 40 points, mais si je peux apporter un plus de ce côté-là, et comme il a dit, sur les 4 derniers matchs, il n'était pas vraiment le côté du rebond, là, il n'était pas vraiment assis dessus, tu vois, un peu, non, et il a fait l'effort, tout, hein, to get on the ball, et then, when you're a big guy, you're the best player in the team, you can go get a rebound, that's all that matters. Because quand il fait ça,
ça amène tous ses coéquipiers aussi à faire la même chose. À faire la même chose, oui. Si c'est le meilleur joueur par le rebond, pourquoi ne pas moi? Tu m'as pris dans 14 bancs et c'était quoi, 21 points, gars? Il reste toujours dans des standards All-Star, on peut le dire. Mais, oui, mais je pense que il n'est toujours pas prêt. Oui, son corps, tu estimes que son corps nécessite encore. À la fin des matchs, le fait de toujours se baisser, se couper, ça monte quelque part le dos et les hamstrings ont toujours ce problème-là. Tu vois un peu, non? Oui. C'est bien vrai, il joue dans la rotation, mais il n'est pas. Quand tu vois ça, il y a les petites douleurs toujours qui sont encore dans le corps, non? C'est pas totalement ça encore. Oui, c'est justement. C'est juste pour préciser que c'est justement un peu cette. C'est cette partie-là que je voulais aborder, sa santé, puisque demain soir, les Sixers doivent jouer contre les Hornets de Charlotte et Joel souffre donc d'une petite douleur au niveau de la cheville gauche. Donc, il a eu un entraînement assez léger cet après-midi. Il semblerait qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit mis au repos demain soir contre les Hornets. Donc, c'est probable qu'il ne joue pas. C'était pour aller un peu dans ton sens. Oui, quand il y a les signes, tu ne te trompes pas. Quand tu as joué pour le basket, sur le système américain, c'est un système qui court assez rapidement. Et tu vois, lui, c'est lui qui initie la offense. Mais c'est toujours en tête de raquette, chaffé, soit il tire, soit il attaque, soit il passe. Et faire cela, c'est pas facile. Donc, quand tu vois généralement ces positions, tu peux comprendre que le corps a toujours encore des petits trucs, tu vois un peu. Non, en dehors, là, j'ai vu, c'est celui qui a. Qu'on a refait. Mais une chose, j'en suis, après ce soir, mais je pense qu'il serait. Il serait full en 100%. Il sera en forme. Mmh, mmh. Yeah. Allez, on enchaîne, on se déplace, on va du côté des Celtics. Les Celtics qui nous informent qu'ils sont donc en déplacement du côté de Atlanta. Ils doivent jouer les Hawks demain. Mais Avery Bradley, James Young et Tyler Zeller ne font pas partie du voyage. Hein, donc les Celtics de Boston qui ne sont pas au complet. Hein, Avery Bradley, James Young et Tyler Zeller qui ne font pas partie du voyage. Ils ne seront pas présents pour le match de demain contre Atlanta. On va enchaîner avec le tuto NBA Show pour parler d'un tweet. Et d'ailleurs, c'est Adrien qui va un peu réagir. Il va un peu nous donner son avis là-dessus. Adrien, tu m'entends? Oui, exactement. Alors c'est un tweet d'un expert NBA très très connu. Hein. C'est pas une petite personnalité. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans le système médiatique NBA et dans le système du sport américain en général. Il s'agit d'un certain Tom Penn. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Tom Penn, c'est un analyste NBA, mais il a la particularité d'être le président et le copropriétaire des Los Angeles Football Club Soccer, hein, le Los Angeles Football Club qui évolue en Major League Soccer, hein, c'est comme ça qu'on me dit, non, Major League Soccer aux États-Unis. Major League, voilà. Donc Tom Penn, yeah. Il est donc président et copropriétaire des Los Angeles Football Club, mais il est aussi analyste NBA très connu. Alors il a parlé de Joel Embiid, hein, il a dit. Joel Embiid est spécial et assez spectaculaire. Et d'après moi, il fait partie des futurs Hall of Famers de la NBA, tout simplement. Alors, Adrien, quand tu entends une réaction comme ça de quelqu'un qui est quand même introduit, hein, on va dire ça comme ça, dans les cercles des médias NBA, comment est-ce que tu réagis? Ça fait plaisir d'entendre ça, que... Un Camerounais soit mis si haut. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est que le petit garde la tête sur les épaules et que voilà, qu'il ait la santé, parce que je pense que si il a ces deux trucs là, il ira très loin. Il ira très loin. Ouais. Parce que là, il prouve qu'il a les qualités. Et là, pour quelqu'un qui a fait 2 ans sans jouer, on ne voit rien de jusque là qui montre qu'il est au bout de son évolution. On a l'impression qu'il est à 50% là. Oui, on sent qu'il est comme l'a dit Mopo, hein, il n'est pas encore à 100%. Le doc, il y a Tom Penn, toujours on continue avec les déclarations. Tom Penn, j'ai envie que tu réagisses.
sur la suite. Il a parlé de suite au match des Sixers contre les Knicks. On rappelle que les Sixers ont battu les Knicks. On reviendra sur le résumé de ce match dans la deuxième partie de l'émission. Mais concernant la rencontre, il a parlé de Kristaps Porzingis. Alors, Tom Penn, il a dit « Les New York Knicks devraient trouver un autre complément pour Kristaps Porzingis. » Parce que d'après lui, Carmelo Anthony ne fait clairement pas l'affaire du côté de New York pour être complémentaire avec Porzingis. Hein? Mais donc, c'est ce que j'essaye. C'est compliqué, hein, avec Melo sa saison. Je pense que j'essaye de dire depuis un moment. Bon, mais c'est pas loin de ce que je pense. Je suis pas le seul. De toute façon, on est nombreux déjà à me penser. Mmh. Que ça devient l'équipe de Porzingis et que Melo devient même à la limite gênante pour une reconstruction parce que Melo apporte toujours. Mais Melo, dans sa tête, quand tu as la tête d'un patron, tu as toujours été patron. Oui. Quand l'évidence, tu n'arrives pas à joindre l'évidence, que ce n'est plus ton équipe, c'est en train de t'échapper le truc. Et qu'il y a un gars à qui on a besoin de donner plus de responsabilité. Parce qu'il est apte à amener bien plus, que ce soit au niveau leadership, qu'au niveau jeu, il est complet, hein, point, rebond, contre. Des qualités humaines aussi. Voilà, aussi. Oui. Donc, il peut, à un moment donné, à lui, s'il est New York de reconstruire, c'est sur lui, mais Melo n'est pas le complément. Il va falloir se le dire à un moment donné, ouvrir les yeux, et se dire, Melo, c'est pas le complément qu'il faut pour ce jeune joueur. Et oui. Parce que Melo n'est pas prêt aussi d'être le comment on dit au pays le Tchinda, mais en NBA on va dire le lieutenant. Le jeune joueur. Melo n'est pas prêt encore parce que Melo a encore un boss aussi dans sa tête. Donc ça devient compliqué. New York va devoir chercher une solution à ce. Vas-y Adrien. Son contrat, il lui reste combien d'années? Melo. À qui, à Melo? Oui. Je pense que Melo a encore deux saisons là-bas ou trois saisons, un truc comme ça. Parce qu'il a renouvelé son contrat, ça fait deux ans juste qu'il a renouvelé son contrat. Je pense qu'il a encore trois saisons là-bas. Mm-hmm. Mais justement, je voulais avoir ta réaction, Adrien, par rapport à la situation de Melo à New York. Mais n'oublie pas aussi qu'il a l'option de Barrière. So, il a assez d'argent en banque, il peut Barrière. So, il y a beaucoup d'options. Adrien, quel est ton avis hein, par rapport à la situation de Philippe, Carmelo? Est-ce que tu peux permettre que Pierre explique le thème qu'il vient d'employer pour ceux qui ne... Ah oui, j'avais pas bien suivi. Vas-y, ceux qui écoutent la radio, mais qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Vas-y. Bon, bref, ça veut dire quoi? Melo a signé, la dernière fois, il a signé pour 5 années, non? Quand il signe pour 5 années, ouais. Ça veut dire tu es à l'équipe, avant d'atteindre ton contrat, va atteindre, genre, peut-être c'est en 2020, son contrat a signé un truc déjà avec New York, par exemple. Maintenant, si les deux, comme ça fait deux saisons, il est en sa deuxième saison qu'il est en train de signer, il est en sa troisième saison qui va commencer la saison prochaine. Si Melo se rend compte que à New York, les fans, et ça ne se passe pas comme il veut, tu vois un peu, non? Ce qu'il peut faire, en fait, on va dire, tu étais signé pour 5 ans, disons, peut-être 150 millions. On divise les 150 millions par 5 ans, on voit le quota. Disons, c'est les 150 millions, disons, sur un montant de 31 millions. Ce qu'il va faire, le remaining, ce qui remain, tu vois un peu, dans le reste de l'argent qu'il doit sur son contrat, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut acheter, se réacheter ce reste-là, devenir free agent, partie d'une équipe qui va compenser. Soit, il voit une équipe qui va entrer dans un trade avec lui, fait un buyout sur son contrat, et il paye une partie de son contrat et il se retrouve en train de traverser. C'est ça le buyout. Mais je ne pense pas qu'à la lue, si Melo dans un buyout, ce qu'il va vouloir faire, c'est que l'équipe, donc pour ne pas perdre les dos, il va se rendre. Mm-hmm. Ce qu'il peut faire, c'est laisser que l'équipe trouve des solutions. Donc lui et son agent, eux, ils mangent le dos. Parce que lui, il est à New York. Là, Melo, la majorité de ses séries, de ses films se font à New York. Il n'a pas envie de reloquer. Tu vois un peu, non? Parce que si Melo, quand on l'envoie à Atlanta, je ne vois pas Lala Melo vivre à Atlanta, peut-être encore elle est, mais elle est, je ne vois pas Melo aller jouer aux Lakers, tout un peu, non? Mm-hmm. Donc maintenant, là, je pense que l'environnement, il est OK pour ses business. Il avait tous ses gars entourés de tous les gars qui peuvent faire le business là-bas. Lui, il est sûr qu'il est dans la capitale économique des États-Unis. Là-bas, il fait ses dos facilement, en fait. Alors, Adrien? Oui. Alors, ton avis hein, par rapport à la situation de Melo, globalement, ton ressenti par rapport à... en début de saison avec les apports de New York,
Est-ce que tu faisais partie de ceux qui avaient de l'espoir pour cette équipe, pour Melo en particulier et pour New York en général? Comment est-ce que tu as jugé l'évolution des choses jusqu'à aujourd'hui? Honnêtement, oui. Je pensais qu'avec l'arrivée de Rose et No et Joachim, ça allait changer beaucoup de choses. Mais malheureusement, j'ai l'impression que, comme Simon Pierre a dit tout à l'heure, Melo n'a pas l'humilité d'accepter que il doit partager certaines tâches aujourd'hui. Ouais. Du coup, c'est un peu difficile et ça fait pitié à la fin parce que New York, c'est une grande ville. New York, une équipe de New York en NBA, ça devait être au moins toujours en finale de conférence avec ce que ça pourrait rapporter à la ligue. Mm-hmm. Et malheureusement, on voit que depuis quelques années, les dirigeants font un peu n'importe quoi. Ouais. Et je vais tacler Simon Pierre en disant que de l'autre côté de la côte ouest, il y a une équipe aussi d'une grande ville qui joue en jaune, qui fait aussi un peu n'importe quoi depuis quelques années. Et les Lakers. Et les Lakers de Los Angeles. Hein, Simon? Pendant les trois dernières années, ils ont donné de l'argent à quelqu'un qui ne faisait plus rien, qui ne jouait plus. Qui était déjà retraité. Parce qu'il est retraité depuis trois ans. Ils ont même donné une saison entière pour son départ, pour ses au revoir, le farewell tour. Oui, effectivement. Mais là, c'est un autre débat parce qu'il y a des débats sur ce qu'un joueur a pu apporter à une équipe déjà et qu'il apporte même pendant les trucs extra sportifs, la présence et qu'il a apporté toute une carrière. Il y a des gens qui récompensent. Dirk Nowitzki a eu ses petites récompenses. On lui a encore fait un gros contrat là pour la dernière année parce que quand tu as apporté une équipe, certains se disent, oui, toi, pour ce que l'ensemble de ton œuvre, on peut encore faire ça. Mais là, on est dans un cas où Melo a encore de quoi jouer. Hein. Il n'est pas vieux, hein, Melo. Il a encore la force d'âge à 32 ans. Ouais, je pense qu'il lui faut, un entraîneur qui a du caractère, du genre Popovic ou Zen Master. Ou alors dans le cas dans un autre cas, il accepte d'être le lieutenant et il s'aligne derrière quelqu'un. Le lieutenant de LeBron James. Parce qu'on voit pas avec qui d'autre il va jouer derrière. il peut faire une bonne équipe comment on l'appelle, Butler, je pense. Ah, du côté de et quand l'heure. Hein. Et qu'on leur renforce juste l'intérieur. Ok. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. Hein. Donc, le doc. Ouais. Alors, il y a Dwayne Wade qui vient de tweeter. Et bien, son tweet vient de tomber. Ça fait même pas moins de 10 minutes. Il a tweeté la photo où il était MVP du All-Star Game. C'était en 2010. Hein, Dwayne Wade, tu te souviens de l'All-Star Game 2010? Ouais. Hein, avec D-Wade de MVP. Donc, il vient de tweeter cette photo en précisant. On dit quoi en langage chez nous? On dit quoi? Il fait sa prodada. Hein, c'est un NBA vote All-Star throwback. Hein, le doc? Ah, chacun se bat. Hein. C'est vrai que il n'a plus ces jeunes années, ce n'est plus, je veux dire, il n'a plus la certitude de faire partie du 5 majeur. De... Oui, effectivement. Et voilà quelqu'un qui a compris, contrairement à Melo, il a accepté que LeBron vienne et que LeBron passe devant lui. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il a 3 bagues, il est rentré chez lui. Avec ses 3 bagues en poche, maintenant il peut s'amuser, même comme il prouve qu'il a encore les jambes. Il ne s'amuse pas, mais il peut faire n'importe quoi. Sauf que Melo, lui, il a commencé à faire n'importe quoi avant de gagner. C'est vrai. Hein, le docteur disait que chacun se bat. Hein.
Oui, effectivement, là, ça arrive. Mais après, lui, jouer, c'est particulier, comme Adrien vient de le dire. Wade, c'est très particulier comme cas. L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un sur que Radio Off Basket. C'est particulier. Wade jouit d'un éternel respect de la part de tous les fans. Oui. Ça fait partie des joueurs qui n'ont pas de haters, sinon très très peu. Parce que franchement, c'est un joueur qui a fait une carrière tellement propre et exemplaire, tu vois. C'est le type de joueur un peu, on a parlé de. Après, c'est pas peut-être le même niveau, mais quand tu vois un joueur comme Tim Duncan, c'est dur d'avoir des haters de Tim Duncan. Wade a ce côté-là où. Là, All-Star, tu es sûr que peut-être, là, c'est pour le 5 entrant, mais déjà y aller, même les coachs vont le mettre forcément. Oui. Et limite, quand même, dans les votes, tu vois, il a quand même encore des fans qui le voient dans le 5. Pourtant, à la base, vu ce qu'il réalise, ce n'est pas digne, on va dire, d'un 5, même s'il n'y a pas de logique dans le 5 entrant. Mais il a encore quand même des fans qui se disent, c'est D-Wade. Ouais, c'est D-Wade. Donc. Lui, c'est vraiment particulier hein, comme personne. Moi, en NBA, je ne vois pas beaucoup de joueurs comme lui, voire même, j'en vois même pas, qui sont autant respectés. C'est vrai. Surtout après le départ de Kobe. Oui, voilà. Mais Kobe avait beaucoup de haters. Kobe, c'est une autre mentalité. C'est pas du propre. Il y a des gars qui ne sont pas parce qu'ils sont bons que leur carrière est propre à tous les niveaux. Même au niveau des haters et des lovers. Alors, Wade, je ne sais pas s'il y a un groupe de haters de Wade qui existe dans le monde. J'ai envie de chercher ça un jour, j'ai jamais essayé de chercher ça. C'est vrai. Pourtant, il fait partie, moi, des associés. Hein. Il s'est associé avec les autres pour gagner ses bagues, ils achètent des trucs, il fait partie d'eux. Mais c'est particulier, les gens n'arrivent pas à le détester, lui. S'il est vraiment. son côté altruiste, son côté propre, je fais mon boulot. Très belles actions, efficacité sobre, sans trop de bling-bling. Ouais, franchement, chapeau. Ouais, chapeau à ce joueur extraordinaire qu'est Dwayne Wade. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. On va du côté de Chicago, justement. On a du côté de Chicago pour prendre des nouvelles de Jimmy Butler. Jimmy Butler qui est toujours malade. Hein. Il souffre toujours d'une petite grippe qui l'emmerde. Jimmy Butler qui sera absent ce soir contre les Knicks de New York. Son coach Fred Hoiberg a précisé aux médias qu'il espère que son ailier soit rétabli pour le match de samedi. Ce sera contre les Pelicans de la New Orleans. Allez, on va enchaîner avec cette réaction de Slam Magazine. Slam Magazine qui a publié depuis hier. Hein, l'actu, ça tourne un peu dans les réseaux depuis hier. Hein, donc, ce n'est pas de la NBA, mais c'est du basket. Hein, on est passionné du basket. Et quand il s'agit de basket, ça nous intéresse, surtout ce qui se passe du côté des États-Unis. Mopo. Quoi? Hein, c'est le rappeur Ice Cube, je crois que tu as dû en entendre parler, qui a donc créé... Hein? Ice Cube, qui est à Harlem. Tu dis? Mopo. Yeah, vas-y, je t'écoute. Oui, je parlais du lancement, du tournoi, le tournoi lancé par Ice Cube et d'anciens d'autres anciens joueurs NBA, une ligue de 3x3 pour les vétérans, pour les anciens joueurs de l'NBA qui s'appelle The Big Three Basketball League. Hein, cette ligue de 3x3 destinée aux retraités de l'NBA. L'annonce s'est déroulée du côté de Times Square, c'était à l'hôtel Sheraton. C'était hier après-midi, donc il y avait donc Ice Cube qui a lancé ça avec des anciens joueurs comme Allen Iverson, Rashad Lewis, Kenyon Martin, Roger Mason Jr. Hein, je voulais donc préciser que cette ligue, après je te laisse réagir un mot pour cette ligue, 3x3 Big Three Basketball League va démarrer à partir du 24 juin de cette année, du 24 juin au 26 août, ça va se dérouler tous les samedis.
hein, le nombre d'équipes. Il y aura 8 équipes dans cette ligue, 5 joueurs maximum par équipe. Les matchs se dérouleront dans des villes comme New York, Seattle, Londres et d'autres villes possibles, pardon. Et les matchs se joueront à 60 points. Donc, ils joueront à 60 points avec des paniers à 2, 3 et 4 points. Donc, voilà pour cette ligue mise en place par Icecube et les anciens joueurs de la NBA. Mopo, comment tu réagis face à cette news? Une bonne news. En même temps, je voulais préciser, tu te rappelles une période, la CH l'année passée, tout le monde était straight out of something. Le movie Straight Outta Compton, le rappeur de MWA, c'est oui. Ice Cube, pour ceux qui sont des rappeurs, ceux qui connaissent un peu le rap. Oui. Là, c'est pour ça, c'est very old school. Donc, ouais. Mm-hmm. C'est lui, et je pense que c'est une bonne ligue, ça va permettre aux gars. C'est pas mal. Ouais, devenu costume. Je pense que c'est un peu comme le N1 Session, mais déjà straight back, tu vois un peu, non, les trucs. Parce qu'il y a un parc là à New York où les gars jouent le 5-on-5. Je pense qu'il veut bring le Straight Compton, parce que du côté de la Californie, c'est plus le 3-on-3 que les gars game généralement, tu vois un peu, parce que le 3-on-3 est plus compétitif, tu vois un peu, non? Oui, c'est plus compétitif, hein, Moko. Oui, ben, ça demande plus d'efforts, 3-on-3, parce qu'en fait, défendre, il faut... Tu vois, 5 contre 5, c'est facile d'aider en défense. Déjà, tu peux replier, tu te montes mieux, tu triches, mais 3 contre 3, dès que tu es en défense, un bon tireur au corner, c'est assez accordé. Alors que 5 contre 5, tu peux facilement pallier, tu vois un peu, non? Mm-hmm. Sans doute demander à quelqu'un comme Pépito, il peut te dire, il me donne déception, il se le voit pas. 3 contre 3, il est more tough than 5 contre 5. Il y a bon en tout cas pour le veto. Le doc. Ouais. Voilà une chance à saisir. Tu vois que tout, rien n'est perdu pour toi. Hey, le doc. Ouais. Là-bas, c'est les gars. Faut aller jouer dans l'équipe de Iverson. Iverson sera coach et entraîneur de son équipe. Hein? Phil. Oui, mon pote. Ils peuvent. Avant qu'Aman répond, il te faut mettre un peu le frein sur ta question. Oui. Iverson, même s'il sort de boîte de nuit au strip club, même si c'est à 5h du matin, il prend un gars comme Aman. Donc Aman va aller chercher le paquet de poubelles quelque part là-bas, il y a un Aman est revenu retrouvable. Tu dis quoi? La chance pour qui? 5 ans à NBA, Aman est venu en ajusté 40 points d'Aman. Tu veux qu'il va défendre Aman? Tu vas aller dire Aman? Tu veux qu'il meure? Mais mon pote, le poumon là, ça finit aussi, hein? Aman peut jouer. Laisse, ce n'est pas le 3x3 que tu entends là. L'adresse là-bas, c'est un autre niveau. Même pas l'adresse du quartier qu'on passe, les gars qui t'alignent des séries de qui. Hein, le doc? Qui après qui? Tu laisses. Gars, là. Il va dire quoi? Ben lui, quand il parle pour moi, il parle aussi pour nous tous ici. Nous tous avec lui. Hein, le doc? Hein, le doc? Je vais dire quoi à part, j'accepte, mais c'est pour nous tous. Tu sais que moi je ne joue pas, moi j'interview. Moi je suis journaliste. Je sais que c'est plutôt pas encore le jouer. Celui qui veut rentrer sur le terrain l'a testé, il va tester la Iverson. Et même certains joueurs NBA actuels, il y a beaucoup qui vont passer le vœu pour aller dire que. Parce qu'il y a des gars que c'est leur exercice. Hein. Le 3-3, c'est vrai que moi, c'est un exercice que j'aime bien, le 3-3. J'aime bien ça parce que voilà. Il y a une grosse différence avec le 5 contre 5 hein, sur un terrain. Une très grosse différence, mais. Mon gars, Iverson, c'est des gars qui ont grandi là-dedans. Il y a des gars qui seront bons à ça forever. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est loin d'être la même chose. Adrien, si on te donnait une opportunité d'aller jouer avec Iverson ou d'autres joueurs NBA, pourquoi pas une chance à saisir pour aller... J'allais au fusil. Pourquoi t'es allé au fusil, mon frère? Hein? Pour moi, ça n'a jamais été le basket. Hein. Oui. 3 contre 3, c'est pas le basket. Parce que c'est... comme mon père dit tout à l'heure, c'est lâche. Parce que dès que tu as l'avance, on ne peut pas aider. Impossible. On ne peut pas aider. Dès qu'un joueur est battu, normalement, si c'est une vraie équipe. Dès que quelqu'un vient aider, on ressort à 3 points. C'est terminé.
Et c'est ça le principe du 3x3, c'est d'amener la défense à collapser, à venir aider. Et un gars reste à l'extérieur, Iti. Quand tu vois jouer le 3x3 contre ces gars, l'ancien gars NBA, là, ils ont déjà le mid-range. Ça veut dire que le tir est déjà programmé. Donc il y aura un gars seulement en train de tirer à 3 chaque jour. Iverson va pénétrer pour le layup chaque jour. Et le problème. Oui, le doc. Le problème du 3x3 aussi, c'est que quand tu as un bon joueur de basket collectif et tout, tu peux avoir des soucis parce que c'est beaucoup basé aussi sur le 1 contre 1. Hein. Oui, c'est ça. Parce que moins tu as de joueurs sur le terrain, moins tu as de systèmes collectifs que tu peux faire. Il y a, le travail sur le terrain à l'entraînement en deux. Vous jouez à deux sur un côté du terrain, il faut savoir jouer à trois, à deux surtout. Mais ça passe surtout de 2 à 4. Et à 5, mais à 3 là, c'est très compliqué. Hein. C'est beaucoup basé sur le 1 contre 1. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un qui sait jouer 1 contre 1, c'est son boulot. Ça a même été son boulot dans sa carrière. Donc, toute sa vie, il va connaître ça. Ouais. Donc, c'est un truc. les anciens joueurs qui, pour l'instant, se sont engagés. Dans ce tournoi sont très très heureux de cette opportunité. On peut parler d'une réaction de Kenyon Martin, hein. Kenyon Martin que vous connaissez bien, hein. Kenyon Martin qui s'est un peu lâché pendant un direct live sur le parquet de la radio off suite aux déclarations de son ancien coach George Karl. Kenyon Martin qui a dit qu'il était très heureux de participer à ce Big Three 3x3 Tournament League, et il a dit que c'est que pour lui apprendre au basket, il apprenait tous les jours, et que faire participer à ce 3x3, ce tournoi 3x3, ce serait pour lui encore une autre opportunité d'apprendre. Donc lui il est chaud. Alors Iverson, on lui a posé la question de savoir, hein, puisque hier on lui a demandé si il y aurait une chance que Michael Jordan, the GOAT, hein, MJ, est-ce qu'il puisse participer à ce tournoi. Iverson a répondu, vraiment, il faut pas, on veut bien rêver, mais il faut pas, arrêter les rêves à ce niveau-là, faut arrêter. Michael Jordan n'a aucune chance de participer à ce type de tournoi. Malgré le fait qu'il soit déjà assez occupé par ses affaires personnelles, il doute très franchement de la participation de MJ. Hein. Nous aussi, on serait très surpris de voir MJ dans ce tournoi. Kenyon Martin. Tu dis quoi sur Kenyon, Adrien? Non, je me rappelle de leur équipe à Denver. New Jersey. Il était là en finale, non? Avec Jason Kidd. Ils ont fait deux finales. Ils ont fait deux finales, hein, Kenyon Martin. Il avait tatoué le bisou sur son cou. Oui. Jason Kidd a lui seul à bonifier toute l'équipe. C'est vrai. C'était une très belle. Une très très belle équipe des New Jersey. D'ailleurs, le doc, il faut rajouter ça dans tes trucs, hein, les New Jersey Nets. C'était une belle épopée, hein, cette équipe portée par Jason Kidd. Hein, c'est doc, ça, mais c'est le ballon dans la nôtre. C'était assez spécial quand même comme équipe. Je veux dire, c'est vraiment, beaucoup ne le savent pas, mais Jason Kidd et Kenyon Martin, pour moi en tout cas, c'est un peu la suite de ce que Payton et Kemp ont pu faire. Hein. Et que même Chris Paul et DeAndre Jordan font là, parce que là-bas, c'était vraiment Lob City. Et quand tu as un meneur génial comme ça, sans compter que Richard Jefferson, qui maintenant a aidé à prendre le titre à Cleveland, il avait encore les jambes d'un joueur de Team USA. C'était un joueur de Team USA. Ils avaient un blanc là, un peu le profil de Porzingis. Kate Van Horn, j'espère que je peux... Kate Van Horn avec ses chaussures. C'est ça. Et shootait jusqu'au genou. Kate Van Horn, oui. Mm-hmm. Ouais, il shootait bien à 3 points, lui aussi, Kate, non? Ah, mais oui. Il était très... Jason Kidd lançait le ballon en l'air comme ça, là, il rentrait, quelqu'un allait choper ça. Oui, c'est clair. Allait choper ça, c'était vraiment, c'était une super équipe. C'est clair. Allez, on va en profiter pour accueillir... Bon, tu veux réagir? Je voulais accueillir... Ouais, ils étaient. Kenyon Martin, il tapait le ballon dur dans le cercle, violence. C'est clair. Allez, on va accueillir l'un de nos fidèles auditeurs sur le parquet de la radio. Il s'agit de Eddie. Eddie depuis Oklahoma City, depuis OKC sur le parquet de la radio. Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, bonsoir Big, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à nos fidèles auditeurs. Bienvenue sur le parquet de la radio, Freddy. Alors Eddie, Eddie. Oui, je t'écoute le Big. J'allais te demander, il neige déjà chez vous là? Bon, il a neigé quand même il y a deux semaines là, mais ça va, là ça va, ça, non, la semaine dernière plutôt, et ça séchait déjà, ça va. Mais là on annonce un ice storm, donc ça va, ça sera très chaud quoi. Ouais, parce que moi, je suis justement en train de grogner en ce moment parce que la neige n'a pas encore débuté chez nous. Elle a décidé de débuter aujourd'hui. Donc demain, ça va être vraiment le bordel pour sortir. C'est vraiment le truc qui m'énerve quand je vois la neige tomber comme ça. Bon, moi, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Hein, Eddie? Mais moi, personnellement, j'aime pas trop. Hein. Non, tu t'appelles là, tu appelles madame vous. N'est-ce pas, mon frère? Allez, on va enchaîner, tu tombes bien pour, on est dans le Twitter NBA Show, hein, c'est le début de l'émission. Je vais lire la réaction de Dimitri. Dimitri depuis Londres qui suit le talk show. Alors, Dimitri qui a réagi, hein, sur l'info, quand on parlait de Carmelo Anthony et des Knicks de New York. Hein, Dimitri qui dit que, New York doit absolument se séparer de Carmelo Anthony. Il rajoute, ils avaient déjà fait une erreur monumentale en re-signant Melo. Mais voilà. Alors, il a dit, il rappelle les déclarations de Melo quand Melo avait dit qu'il ne voyait pas une autre équipe dans laquelle il se sentirait le plus à l'aise. Donc voilà. Donc pour lui, pour Dimitri, mais ils doivent virer Melo tout simplement. Donc voilà l'avis de notre frère depuis Londres. On enchaîne, hein? On enchaîne avec le Twitter NBA Show. Ça tombe bien, Eddie, tu es là. On va te permettre de t'échauffer un petit peu avec cette info. Alors, ce sont les Cavs, hein. Ce sont les Cavs, et plus précisément Kyrie Irving et Kevin Love, qui ont réagi aux questions des journalistes cet après-midi. Hein, bon, on le sait, hein, les Cavs ont perdu deux fois de suite. Et les journalistes n'ont pas hésité à leur envoyer une petite question piquante, comme à leur... les questions dont ils en ont le secret, on va dire ça comme ça. Ils leur ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour améliorer les choses, on va dire, pour la suite. Et Kyrie Irving et Kevin Love qui ont précisé que l'équipe des Cavs, leur équipe a besoin de plus d'entraînement collectif pour mieux travailler les systèmes afin d'éviter des situations comme ce qu'ils ont vécu avec les deux défaites d'affilée qu'ils ont subi. Eddie, on va parler de crise. C'est encore, c'est pas ça. Il y a pas de crise à Cleveland. Non, c'est ils sont champions en titre. Hein, et... Ouais. Donc ils n'ont pas vraiment de réels soucis. C'est ça peut arriver de perdre des matchs. Surtout qu'ils étaient à l'extérieur et il faut savoir que c'était leur vol a été retardé pour Portland à cause du climat. Oui, il semblerait que c'était chaud avec la neige. Sans compter qu'ils avaient joué la veille aussi et tout, donc je pense que cela a peut-être dû jouer sur le physique des joueurs. Mais c'est vrai, j'ai visionné le match du début à la fin. On fera le résumé là-dessus, c'était un match assez bizarre, il semble. ouais, mais sinon, je pense pas. Pour moi, je me dis, voilà, je pense qu'il viendra un moment où ils diront, on en a assez de se dire, on va attendre les playoffs pour jouer. Oui. Parce que chaque fois qu'ils jouent, les équipes se disent, ça voici les champions en titre. Ils ont d'abord Golden State là, je sais pas, dans 3 ou 4 jours. La ligue du 16 au 17. Voilà, du coup, c'est une motivation naturelle. Bah, il faut vraiment qu'ils soient au point parce que pour être au rendez-vous contre Golden State. Mais je pense que il viendra un moment où il va falloir qu'ils jouent vraiment dans une condition de playoff parce que sinon, même les Raptors vont pouvoir les dépasser en nombre de victoires et tout. Et il va falloir et l'avantage du terrain et tout, on ne sait jamais. Ouais, sans compter que voilà Melo qui peut être disponible et les Raptors peuvent le prendre en échange avec Carole et quelques autres pièces. Donc
si Camilo va à Toronto, ça peut rendre assez, ça peut rendre plus intéressant. Est-ce les dirigeants de est-ce Yujiri Masai est fou? Adrien, tu crois que c'est un move un peu compliqué pour Toronto? Yujiri Masai n'est pas si con. Yujiri Masai, c'est le Nigérian qui est general manager de... Oui, le general manager, oui. De Toronto, il n'est pas con. Tu vois que c'est un trio Carmelo Anthony, Demar DeRozan et Kyle Lowry, pour toi, c'est... Là, ne se peut pas. Demar DeRozan, c'est vraiment l'avenir de la franchise et je pense pas qu'ils vont essayer de le brider. À part s'il y a un coach qui sait parler, il faut que quelqu'un sache puisse dire à Carmelo, tu viens là en tant que deuxième arme offensive et que on a besoin de toi pour tirer à des moments, pour amener l'expérience. Mais est-ce qu'il est encore prêt à comprendre ça? Il n'est pas si vieux pour qu'on le prenne pour ce genre de boulot. Ouais. Peut-être dans sa tête, hein. J'en sais rien, mais... Ouais, c'est quand même vrai ce que tu dis, hein, parce que même en équipe nationale, de Rosane est au banc, hein. Donc, oui. Carmelo dit qu'il est titulaire, donc tu vois un peu, tu arrives dans une équipe qui est au banc, et il devient maintenant celui que tu dois suivre, ça fait un genre... Non, que le temps passe, et que les gens doivent savoir que les années avancent, et que Carmelo, là, on sait bien que Team USA, il est allé... Mais c'est parce qu'il manquait certains joueurs qui se trouvaient dans le 5. Si LeBron était là, je suis désolé, Carmelo allait s'asseoir proprement. Ce poste-là, il y a d'autres joueurs, mais et le temps avance, c'est l'année dernière déjà, et DeRozan n'était pas aussi fort que maintenant. Quand Butler, est-ce que c'est le même Butler, la force que les mecs dégagent d'année en année? Dans deux ans, les gars comme Carmelo vont devoir s'asseoir, donner le même un an, hein, et leur donner un café. Dire que grand, amène-moi à la victoire. Mais est-ce qu'il aura cet état d'esprit de dire à ce genre de joueur, c'est là toute la différence. Ramener un joueur à Toronto qui va brider DeRozan, ce serait pour un général manager intelligent, ce serait un gros risque de voir déjà DeRozan demander à partir d'ici un an si ça ne marche pas. Dire écoute, s'il reste, moi je pars, j'ai envie d'être patron. C'est compliqué. Je vais lire la réaction d'une autre auditrice, d'une de notre fidèle auditrice, on va dire ça comme ça, depuis Paris. Il s'agit de Missy. Missy depuis Paris qui réagit, qui nous écoute et qui dit aussi que, elle précise aussi que, ce trio, Melo, Lowry et DeRozan du côté de Toronto, c'est vraiment une utopie, hein, très très compliqué de voir ces trois joueurs évoluer ensemble à Toronto. On enchaîne avec un autre tweet provenance des Blazers de Portland. Alors ça concerne le dernier match des Blazers contre les Lakers, un match qui était assez chaud entre Damian Lillard et son adversaire D'Angelo Russell. Damian Lillard qui s'est plaint. Alors les deux joueurs se sont échauffés, hein, pas qu'il semblerait, ils se sont échauffés un peu sur le terrain, et Damian Lillard qui s'est plaint d'un coup de coude de D'Angelo Russell sur son visage, et il semblerait que D'Angelo Russell soit allé lui parler hors caméra. Hein, Mopo, hein, tu me suis? Tu dis? Damian Lillard qui allait parler à D'Angelo Russell hors caméra après le match pour dire à D'Angelo Russell que il lui a dit on peut aller se mettre quelque part et on verra ce qui va se passer. Non mais ça c'est juste des Américains. Hein. Il était vexé. Hein, la saison de Lillard est compliquée, hein, Mopo. Une saison compliquée pour Lillard et les Blazers. Je t'ai expliqué ça depuis 16 ans. Quand tu es un sportif... Toutes tes activités extrasportives. Toutes tes activités extrasportives. Non, tu parles des activités sportives. Il y a déjà d'activités. Crois-moi, produis un rap avec assez de messages à l'intérieur. Ce n'est pas les choses qu'on passe au Cameroun, on dit qu'on rappe là. Je dis, produis un rap avec un message à l'intérieur. Ça prend du temps. Ça prend des heures de trouver un beat, d'arranger, de faire un arrangement. Ça a un impact sur ton jeu et ça travaille ton mental. Parce que plus tu deviens deep dans le rap, plus tu vois un gars te faire une phase, tu deviens aussi fou. Parce qu'il y a des incidents que tu vois, tu travailles, tu dis, ah ben, de monter sur la phase d'un gars. Et à la fin de la journée, tu dis, c'est au début de saison.
Oui. Damien Lillard, ça va impacter sa saison. Au début, la maman dit non, il était bien précisé. Il aura beau bien jouer, mais ça, le rendement ne va pas être ce qu'on attend de lui. Enfin, tu vois un peu, non? Oui. Ça se voit sur son équipe. Je te dis bien, le livre de George là, quelque part, a ses vérités qui ne devraient pas être écrites dans un livre. Oui. Ce sont des réalités que tu donnes, qu'un fils donne à son père. Mm-hmm. Et quand ton fils te parle, ce n'est pas pour aller mettre dans les journaux. Mais, je te le redis, chaque acteur dont Karl a pointé du doigt, Kenyon Martin nous a prouvé par son Twitter. Il a commencé à insulter. Là, il s'est comporté comme... Oui, ce même jour-là, il s'était fâché en direct. Résultat avec... Regarde, le livre va se découcher seul. Donc, petit à petit, on va... On va comprendre. Oui, c'est ça le problème. Et à la fin de la journée, on se met pas... Une maison d'édition ne te back up pas pour écrire un livre juste parce que tu as envie de dire des choses. Regarde, c'est un budget qu'on investit sur toi. Parce qu'on te verse déjà un contrat et ton salaire. À la finalité, on n'oublie pas que les États-Unis, c'est le système capitaliste le plus avancé au monde. Donc, quand on investit sur toi, on attend un retour sur investissement. Et je te dis, chaque chose qui était écrite dans ce livre a sa part de vérité sur le tableau de la vie. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. Alors, l'info est sortie depuis 19 minutes maintenant, mais c'est vrai que j'ai attendu un peu avant d'en parler. Il s'agit du match un peu pauvre, on va dire quand même, un match assez pauvre du côté de Londres. Entre les Pacers d'Indiana et les Nuggets de Denver, un match, allez, on va le dire, le match était laid. Le Doc Henry qui n'a pas apprécié ce match. On va parler de la victoire des Nuggets de Denver sur les Pacers d'Indiana. C'est un score de 140-112. Le meilleur score de ce match était donc Nikola Jokic, j'espère que je prononce bien son nom, Nikola Jokic avec 22 points, 10 rebonds, 7 passes pour ce joueur leader au scoring et meilleur joueur de cette rencontre NBA Global Games du côté de Londres entre les Nuggets et les Pacers. Tu dis? Oui, j'aimerais préciser un truc. Tu vois, beaucoup de personnes se plaignent sur les équipes qui viennent. En fait, c'est un problème de rotation. Tu vois un peu, non? Il y a des gars qui sont allés jouer au Mexique. Les gars qui sont des joueurs. Le problème, c'est la commission, ça est en fonction de ce que en fonction de qui joue telle période pendant la saison. On fait ce vote, en fait. Tu vois un peu, non, ce n'est pas juste qu'on se lève, on envoie telle équipe d'aller jouer là-bas. Et comme ça, ça compte pour la saison régulière. C'est un match d'exhibition pour ceux de l'Europe, mais ici, ça compte pour ces équipes NBA. Peut-être que le public, ce n'est pas ça. Et il ne faut pas oublier. Quand tu te lèves, tu joues ici, la température, tu joues dans un gymnase, l'altitude, tout ça importe, ça a un impact, c'est un impact sur un match. Hein. Oui. Les gens se pensent, le basket, ce n'est pas juste qu'on se lève, on se met à taper le ballon. Quand tu joues du côté, si tu habites peut-être du côté de, de tout côté au pôle Nord, il fait assez froid, et tu viens jouer peut-être du côté du Sahara. Le climat au Sahara est différent du côté du Nord, tu es un peu plus, non? Du côté du Sahara, il fait plus chaud. Quand tu arrives au gymnase, même avec la clim, ce n'est pas la même chose, la salle est pleine. Le climat a un impact. Tu te rappelles le match de Sifu qui t'a arrêté parce qu'en fait, on a joué dessus la veille d'avant et le terrain glissait, non? Ce sont les impacts du jeu. Et quand tu vois un joueur, une équipe voir peut-être vendredi ou peut-être mercredi ou jouer un jeudi, tout un peu, il faut arriver, s'acclimater, prendre. C'est à tout. Et il joue comme d'habitude. Les matchs NBA, ce n'est pas la magie, hein. C'est comme un match de basket réglementaire. C'est juste que bon, nous, celui qui n'est pas habitué à voir, c'est lui qui doit avoir des trucs extra. C'était un match normal. NBA. Les gens s'attendaient peut-être au show, au dunk. Ce n'est pas ça un match NBA. Un match NBA, c'est construit. On joue le système de jeu. C'est ça, en fait. On veut gagner. Oui, quand Dimitri tout à l'heure se plaignait qu'il allait au terrain, il n'a pas aimé. J'ai dit, mon petit. C'est le match NBA. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de super Saiyan là-bas. On ne se transforme pas. On tire un ballon de l'autre côté, ça entre. C'est le même basket que tu joues, que tu vois à télévision. C'est la même chose. Hein. Ouais, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Allez, on enchaîne avec cette dernière info. Cette fois, du côté de Détroit, les Pistons de Détroit, qui nous informe que le maillot du champion, hein, l'ex-champion Chauncey Billups, hein, vous voyez de qui je parle, hein, le Chauncey Billups, son maillot sera retiré le 10 février 2017 et le maillot de son ancien collègue, hein, on va parler de Rip Hamilton, son maillot sera retiré, lui, ce sera le 26 février, hein, les Pistons de Détroit qui vont rendre hommage à ces deux arrières. Extraordinaire à leur époque du côté de Détroit. Hein, Eddie?
Ouais, le big. Quand on te parle de Chauncey Billups et Rip Hamilton, qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir? Pour ceux qui m'ont connu quand mon pays, certains m'appellent Rip Hamilton. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein, mon frère? Attends, tu vous pouvez demander, okay, demander à Anthony. Non, Anthony. On ne doute pas. Ok, non. C'était mon gars, je ne cachais pas que j'ai aimé son jeu. Oui. Le doc, tu l'as quoi? C'est l'entrée en matière, mon frère. Non, c'est l'entrée en matière. J'attendais la réaction de beaucoup, c'est pour ça que Eddie, ne les écoute pas, enchaîne sur ton truc. C'est comme si tu savais quand tu me posais la question, mon frère. Comme si tu savais, mon frère. Alors, dis-nous, le doc. Vas-y, dis-nous alors ce que tu retiens de Rip Hamilton, vu que tu te sens un peu proche de lui. Tu te rappelles, moi, ce qui me marque chez Rip Hamilton, c'est sa capacité à se déplacer sans le ballon. Il avait cette faculté à être vraiment ce joueur insaisissable sur un terrain sans ballon, Rip Hamilton. Ouais, et il avait une énergie vraiment, il était infatigable, non, il était aussi infatigable. Oui. C'est quelqu'un qui pouvait courir pendant 2 jours sans s'arrêter. Oui. Donc il était très bon à mi-distance, et c'est vrai qu'il prenait rarement le tir à 3, mais quand il en prenait, il mettait au moins 40%. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est très efficace au tir, surtout à mi-distance. Hein. Donc je me souviens encore avec son masque et tout, son masque transparent et tout, et son bandeau, dans sa petite barbichette. Le truc, c'est que c'était une bande de revanchards. Oui, à l'époque, quand ils ont gagné. Oui. Billups a roulé sa bosse. Je pense qu'il a fait Boston, il a fait Denver. C'est vrai, il avait roulé sa bosse avant d'arriver à Détroit. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques-uns parmi eux quand même qui ont fait des tours dans plusieurs équipes avant de se retrouver à Détroit. Mm-hmm. Mais sinon, Rip Hamilton, c'était un vrai, très bon scoreur, oui. Très efficace au tir. Il avait évolué sous les ordres de MJ à Washington. Ouais, il avait évolué du côté de MJ. Je me souviens encore très bien, il était encore tout jeune et tout. Bon, mais là, vraiment, pour la petite anecdote. Oui, Adrien, vas-y. Pour la petite anecdote, quand ils étaient coéquipiers, il a dit à MJ qu'il voulait porter. Des baskets. Qu'il voulait signer le contrat avec Jordan. Mm-hmm. Jordan lui a dit, bon Dieu, mon frère, je ne donne pas mon contrat aux gens qui ne sont pas All-Star. Ouais, je m'en souviens de ça, ouais, c'est vrai. Et il avait réussi à l'être finalement. Mm. Ouais, bien sûr. Et aussi, il était très bon défensivement aussi. Il était très bon défensivement. Trois, c'était une équipe particulièrement. Le meilleur défenseur de leur équipe là, c'était le métis là. Tayshaun Prince, oui, c'est vrai. Bon, je pense que c'était Ben Wallace. Je crois qu'il voulait surtout parler des lignes arrière. Voilà. Mm-hmm. Il voulait surtout parler des lignes arrière. Mais oui. Sinon, toute l'équipe, tout le 5 en 3, que ce soit très défensif, oui. Très défensif. Ils étaient très bons en défense. Je me souviens encore du All-Star Game. Oui. L'Est était. Il y avait les 4 titulaires. Il y avait 4 titulaires, je crois. Sauf Prince. Oui. Mais le reste, les Wallace et Billups et Rip, ils étaient. Quand l'Est était mené de moins 25 points, on les mettait au terrain de mettre les quatre ensemble avec un autre joueur. Oui. Et les cas, ils remontent peut-être à. Je vous assure. Et qu'est-ce que tu as dit sur Mr. Big Shot, Mr. Big non, Shot, Chauncey. Lui, on le connaît bien pour ses tirs à 3 points, son adresse à 3 points, surtout dans les grands moments. Oui, mais ce qui m'a le plus marqué, et c'est ça qui fait en fait que. Je ne respecte pas Allen Iverson autant que la plupart des personnes. C'est pas le plus marqué sur Chauncey Billups. Souvenez-vous quand Ray Allen est parti à Denver.
Oui. Il était aux côtés de Melo, ils avaient de très très bons coéquipiers. Ils avaient les Marcus Camby qui était le meilleur rebondeur, meilleur contreur de la ligue. Ils avaient Nene qui explosait. Ils avaient des gars, ils avaient des très bonnes pièces. Ouais. Je me rappelle, ils avaient même aussi Kenyon Martin aussi qui était là dans l'équipe. Donc ils avaient vraiment de bons joueurs. Oui, mais oui. Ils ont été, et je me rappelle, Allen Iverson et Carmelo, ils étaient parmi les top 5 des scoreurs de la ligue. Et ils sont arrivés au playoff et Kobe les a swept. Oui, oui. Mais quand il y a eu maintenant trade, la saison suivante, Allen Iverson est parti à Detroit et Bill Self est allé à Denver. L'équipe a complètement changé. Ils sont arrivés jusqu'à la finale de conférence. C'est vrai qu'ils ont toujours perdu contre Kobe, mais ils ont donné c'était une série très intéressante. Donc, je me dis, mais comment ça se fait qu'Allen Iverson, le Hall of Fame, le gars qu'on connaît, MVP et tout, scoreur et tout, tu n'arrives même pas à traverser le premier tour avec tout l'effectif que tu avais. On a toujours dit qu'Allen Iverson n'avait pas un bon effectif à Philadelphie, mais là, il y avait Melo, une superstar et tout. Denver, c'était une grosse équipe. Hein. Exactement, ouais, Denver, très grosse équipe. C'était une très grosse équipe. Hein, c'était pas c'est quand, même, c'est quand même incroyable de voir qu'ils ont échoué aussi lamentablement. Oui, l'ego et le caractère. Et voilà que Bill Self arrive. Bill Self n'était même plus à son prime. Il était quand même un peu vieillissant. Et malgré tout, le gars a su être un général dans l'équipe. Il a pu être un très bon meneur pour l'équipe. Et ils sont arrivés jusqu'en finale de conférence. Ils pouvaient même arriver en finale NBA, mais c'est juste que Kobe était tellement déterminé. C'est ça qui m'a beaucoup le plus marqué, en fait, la présence de Bill. Mais l'effectif aussi, il faut dire, ceux qui ont connu l'effectif là, de 2008 à 2010, Lakers, c'était à l'ouest, ils étaient déjà plus, à part les Lakers et les Spurs, peut-être, il y a très peu d'équipes, les Phoenix aussi, mais c'est vrai que c'était chaud, mais ils avaient quand même, je me rappelle bien, c'est là où il y avait Nene, joué encore là-bas, Kleiza, Linas Kleiza, là, le Lituanien. Ouais, il était bon, il y avait J.R. Smith encore, J.R. Smith à fleur de peau. J.R. Smith aussi. C'est vrai. Donc, tu prends des Carmelo Anthony, des Iverson qui rajoutent tout ça. Ouais, c'était une équipe sévère. Une sacrée équipe. Ah, Adrien, Chauncey Billups, quels sont les souvenirs de Chauncey Billups, son maillot qui va être retiré le 10 février? Quels sont les souvenirs marquants quand tu repenses à ce meneur Chauncey Billups, the big shot, hein, Adrien? Très, très, très gros compétiteur, sans toutefois être flashy. Il était au top. Il était le top. Ouais. Pas très athlétique, pas très rapide. C'est le mec qui va te prendre l'écran, il va shooter derrière l'écran ou bien il va faire la passe où il faut. Quand il faut, c'est le métier. Ouais, oui. Tu sentais que c'était pas inné comme fréquent. Tu sentais qu'il avait beaucoup travaillé. Il avait roulé sa pousse. Il avait beaucoup travaillé pour en arriver là. Ouais, c'est vrai. Ben, gros respect, maximum de respect. Je me souviens, quand on tapait les joueurs, on les appelait les Nangaboko. Après, dans le titre en 2004, parce que personne ne les attendait. C'est vrai. Et c'est exactement... 6 finales de conférence d'affilée. Hein. C'est vrai aussi. Et c'est vraiment la même réaction qu'a Missy depuis Paris. Missy depuis Paris qui précise comme toi, Adrien, que personne ne voyait cette équipe gagner avec les deux Wallace. Hein, une très, très belle équipe. Des Pistons de Détroit, gros respect à Chauncey Billups, son maillot qui sera donc retiré le 10 février et celui de Luke Hamilton qui sera retiré le 26 février. Oui, le doc. Juste pour finir sur ça, beaucoup ne le savent pas chez les jeunes, mais la première corrélation qu'il y a eu entre les carrières de Jordan et de LeBron, c'est les Pistons qui font cette corrélation. Hein. C'est les Pistons de Billups et qui font rappeler un petit peu le même parcours de Jordan
avec sa bagarre contre ses Pistons et ceux de LeBron contre les Pistons. C'est la première corrélation qu'il y a eu entre les deux carrières. C'était vraiment le but de LeBron, c'était de battre les Pistons, tout comme Jordan, c'était son but. Parce que c'était sa bête noire, hein, à un moment donné. Mm-hmm. Les Pistons écrasaient la conférence et il fallait passer sur leur corps pour arriver. Les jeunes doivent savoir ça. Mm-hmm. Je me souviens d'un match, justement, comme Simon Pierre a dit, en 2007. Mm-hmm. Le fameux match à 45-48 points, je crois. Mm-hmm. En playoff, où il marque les 15 ou 20 derniers points de son équipe. Par... Je pense que c'est 25 points, les amis. Voilà. Mm-hmm. Ouais. C'est la première fois, les Pistons. C'est le jour-là qu'il est... Il est entré dans la cour des grands. Ah ouais, eh oui. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Allez, on va enchaîner. Allez, donc c'est terminé pour le Twitter NBA Show, les amis. On va attaquer la deuxième partie de ce talk show avec les résumés des matchs de la nuit et bien entendu les previews des victoires attendues pour les matchs de ce soir. Après une petite minute de publicité, à tout de suite. Radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket et tous les fans de NBA s'associent pour une campagne de vote à l'attention de Joel Embiid, la star de Philadelphie, pour participer au All-Star Game 2017. Alors joignez-vous à nous. Votez Joel Embiid. Pour cela, créez un post sur votre compte Facebook avec ce statut: Joel Embiid, hashtag NBA, vote. Alors si vous êtes fan de Joel Embiid, n'attendez plus une seule seconde, prenez votre téléphone, et votez. Vous êtes bien sur Radio of Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. C'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio of Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio of Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Rub your fingers.
Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, voilà, reprise du direct live, les amis. On attaque donc la deuxième partie de ce talk show. No Limit Basket, épisode 10, deuxième saison. On commence avec, on attaque donc les résumés. Les résumés des matchs de la nuit. On va commencer par un peu de chauvinisme avec les Sixers de Philadelphie qui ont donc affronté les Knicks de New York hier soir. Et on va rappeler que battu au buzzer sur un shoot de TJ McConnell. Hein, on rappelle ses stats, 8 points, 6 rebonds, 7 passes. Hein, victoire des Sixers sur les Knicks sur un score de 98 à 97. On rappelle que Joel Embiid, notre compatriote, a terminé le match avec 21 points et 14 rebonds. Pardon. Il a assumé, bien entendu, son étiquette hein, de franchise player de cette équipe de Philadelphie hein, en permettant donc à son équipe de remporter ce game face aux Knicks de New York. On va rappeler que Derrick Rose était porté disparu contre la New Orleans. C'était lundi. Il était donc de retour avec son équipe. Hein, et donc il a terminé deuxième meilleur marqueur de ce match avec 25 points, 4 passes. Quant à Carmelo Anthony, il a terminé ce match avec 28 points et 3 contre, hein, donc match perdu par les Knicks de New York. Alors je précise, hein, vous n'hésitez pas à me couper hein, si vous souhaitez réagir sur un match en particulier. Hein, vous n'hésitez pas à me faire signe, vous me coupez, hein, il n'y a pas de souci. Hein, on va fonctionner comme ça. Alors le Doc NP qui a apparemment un souci avec sa connexion, on va le rappeler, le Doc. Allez, on enchaîne. Avec le match suivant, ce sont les Clippers de Los Angeles qui ont affronté le Magic d'Orlando. Et on va parler d'une bonne série des Clippers. Hein. Les Clippers, c'est de notre compatriote Luc Mbamute. Et ils continuent donc leur bonne série, hein, les Clippers. Ils ont remporté leur cinquième match de suite en battant le Magic sur un score de 105 à 96. Et ils s'accrochent aux premières places de la conférence West avec un bilan de 27 victoires pour 14 défaites, alors que le Magic continue de sombrer, hein, on va dire ça comme ça, avec 16 victoires pour 24 défaites. Ils ont fait la différence hein, dans le dernier acte, hein, je parle des Clippers, à l'aide de 5 tirs à 3 points. Hein, Adrien ? Oui ? Hein, tu fais partie de ceux qui pense que notre compatriote Luc, hein, est-ce qu'on peut dire que c'est la pièce maîtresse, la pièce qui manquait à Doc Rivers pour les playoffs, pour la, on va dire quoi, la partie défensive, on peut dire ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu penses que sur d'autres secteurs il peut aussi apporter? Tout à fait. En défense, il réussira à limiter, comme on dit, parce qu'on peut pas arrêter un basketteur, il réussit à limiter et le plus souvent le meilleur ailier adverse. Aussi, il a réussi à équilibrer cette défense-là. En attaque aussi, je reste convaincu que s'il a de plus en plus de ballons, il va marquer plus. Oui. Effectivement. Et la dernière question que je vais te poser par rapport aux Clippers, hein, tu sais, les Clippers, on les appelle ici sur le parquet de la radio, on les appelle le mirage de la NBA, l'illusion de la NBA. Pourquoi? Parce que bon, à chaque fois qu'on s'attend à ce qu'ils passent un nouveau palier en playoff, on est toujours assez déçu. Tu mets une pièce sur eux cette année, ou bien tu fais partie de ceux qui n'attendent rien de cette équipe en playoff? Second tour Second tour des
Second tour, hein, Adrien. Il n'a pas menti, il est réaliste, mon frère. Non, il est réaliste et pragmatique. Je souhaite être surpris. Être agréablement voilà. Surpris. On va dire ça comme ça. Agréablement surpris. Il a dit ce que j'ai dit chaque jour aussi. Oui, c'est ce que tu dis régulièrement, le Doc Unpi. Pardon, le Mopo. Il dit le Doc Unpi. Parce que ce qu'on peut attendre de clips cette année, ce n'est qu'une surprise. Car il y avait cela 3 années de cela, ils auraient pu faire assez. Donc maintenant, là, ce ne sont que des surprises. Oui. Et c'est vraiment déplorable. C'est lamentable. On va crier que telle équipe a le Big 3, le Big. Ils ont une bonne équipe. Oui, tu as Chris Paul, tu as DeAndre Jordan, tu as Blake Griffin, tu as. Mais wow! Tu as des ball handlers, tu as des tireurs, tu as JJ Redick, one of the great streaker, 3-point shooter in the NBA. Il manque de quoi pour gagner? Il manque tout. De quoi? Mais si tu te penches un peu au chevet de cette équipe, Adrien, est-ce que tu as un diagnostic? Ou bien toi, tu n'y comprends rien? Qu'est-ce qui les empêche de passer un palier? Pour une finale de conférence pour toi. Honnêtement, je sais pas. C'est compliqué, les Clippers. je pense qu'il faut avoir tous leurs hommes le moment venu. Déjà tous leurs hommes en santé, oui. Voilà. Déjà ça, parce que si je me souviens, l'an dernier, ils avaient de grosses absences là pendant le play-off. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une part de ce dont ils ont besoin pour avancer. Hey, Eddie, est-ce que tu m'entends? Eddie, si on t'envoie au chevet des Clippers, on te demande de diagnostiquer un peu leurs soucis pour essayer de trouver une solution pour passer le cap d'une finale de conférence, qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je peux dire, c'est que Blake Griffin n'est pas à la hauteur des attentes. Oui. Et je peux aussi accuser le coach. Tu le pointes vraiment, hein. Pour toi, il fait partie de ceux des joueurs qui te déçoivent. Il était supposé, de tous ces gars-là, il était supposé. Parce que Chris Paul est déjà en train de tendre, il est déjà en pleine sortie de son prime. Oui. Et Blake Griffin est en train d'entrer dans son prime. Mm-hmm. Donc, ça tend quand même à un gars qui sera explosif. Mais son jeu a toujours, à part son tir extérieur qu'il met de temps en temps, oui. Son jeu a toujours été, pour la plupart, consistait à bousculer dans la bouteille et tout, dans le jeu de jambes et tout. Il n'a pas le physique de chaque pour jouer ce genre de jeu dans la bouteille. Mmh. Et je me dis, très souvent, il ne. Comment on dit ça? C'est-à-dire, lorsqu'il a en face de lui un défenseur, il ne se dit pas, ok, celui-ci est plus petit, je vais l'amener à l'anneau et je vais marquer. C'est-à-dire, très souvent, il prend les tirs à mi-distance quand il faut aller à l'anneau, et il va à l'anneau quand il faut prendre les tirs à mi-distance. Donc, il a encore ces problèmes-là de prise de décision selon les circonstances du match. Et ce qui fait que, et très souvent, il perd aussi des ballons, on ne sait pas comment il a fait. Et ça n'aide pas beaucoup l'équipe. Chris Paul est obligé de devoir marquer 25 points. Ce n'est pas un scoreur en tant que tel. Oui. Mais Chris Paul arrive à un point où il faut qu'il marque 25 points pour qu'ils aient une chance de gagner, d'aller plus loin au playoff. Or, Chris Paul était supposé être carrément peut-être 18 points maximum par match, maximum 18 points. Mais là, il doit pousser plus loin parce que Blake Griffin n'est pas là. On s'attend à un 25 points par match minimum, mais il est toujours dans les 20 points, 21. Donc ça rend les choses difficiles. Bon, tu as aussi le banc de touche qui n'est pas. Qui n'apporte pas aussi. Apparence, là, il est intéressant, mais tu as Jamal Crawford qui est vieillissant, qui n'est pas très efficace, qui n'est pas très bon en défense et en attaque, qui doit prendre beaucoup de temps pour marquer des points. Tu as le jeune homme de Quito Lakers, là, je me souviens plus trop de son nom, Johnson quelque chose, qui n'est pas à la hauteur des attentes non plus. Bon, bref, le banc n'a pas toujours été très efficace pour les Clippers. Oui. Et pour ceux même qui disent que Kevin Durant n'aurait pas dû aller au Warriors, je vous assure que s'il partait aux Clippers, ce serait même pire. Cette équipe serait peut-être championne.
Je préfère encore qu'il aille chez les Warriors qu'il aille chez les Clippers. Parce que chez les Clippers, je ne sais pas quelle faiblesse aurait-il eu. Bon, bref, c'était une parenthèse. Mais je me dis, de manière bref, le problème commence d'abord par Griffin. Et ensuite vient Coach Doc. Et ça s'arrête là, pour moi. Ça s'arrête là. Mon pauvre, Blake Griffin, hein, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui en tant que leader intérieur, on va dire ça parmi, dans la ligne intérieure de cette équipe, avec DeAndre Jordan. Il fait partie aussi de tes déçus, Mopo. Avant que tu ne fasses même la faute, je te rappelle, je t'ai dit que Blake Griffin, même, on devait le trade depuis quand il voulait go là, il devait laisser partir. Il devait laisser Hugo. Tu as raison, Mopo, c'est vrai. C'est vrai. Tu rappelles que tu dis ça. Oui. Pas quoi il fait, en fait, parce qu'il n'a pas une importance. Je préfère encore Jordan qui rate ses lancers, Frank qui essaie de marquer au moins les 50-50, qui se bat comme il se bat là, quand on sait qu'il n'a pas de post move. Parce que Jordan, DeAndre Jordan n'a pas de post move. Il sait seulement sauter, c'est tout ce qu'il sait faire. Tu un peu, non? Oui. Et on ne va pas, c'est son jeu là-bas. Tu ne peux pas. Bah, Griffin n'apporte finalement rien pour rien. Il joue aujourd'hui, demain il est blessé, après demain, regarde. Quand tu aides Griffin, quand on bring une autre personne, regarde, quand on ne compte plus trop sur lui, parce que je pense. Il y a toujours soit un peu de pied sur l'accélérateur, là, on met un peu le frein, on dit non, on ralentit la seconde, on attend, non, on va plus attendre Griffin. C'est trois saisons déjà de passer, chaque année c'est le même, tu as eu Pépito tout à l'heure, peut-être, selon qui nous joue en commencement. Tu veux dire que les années se suivent et se ressemblent à chaque fois avec Blake Griffin. Ouais. Il n'y a pas d'évolution. Ouais, il peut y avoir still the same, though, so on see the point to be there, so. You need to be trade. Yeah, il faut qu'on le vaincu. Ok, de toutes les façons, ça permet de voir un peu, de comprendre un peu, hein, parce que c'est vrai que cette équipe des Clippers, on a tendance à se demander si c'est pas un truc, c'est pas sorcellerie ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vrai que déjà avoir des petites pistes comme ça, ça permet de comprendre ce qui ne va pas avec cette équipe de Los Angeles. On va parler des Cavs, hein, les Cavs qui ont affronté les Blazers de Portland. On avait dit qu'on devait parler de ce match assez bizarre pour les Cavs, hein, les Cavs qui ont perdu ce match face aux Blazers sur un score de 102 à 86. Et on va préciser que c'est un succès quand même important pour les hommes du coach Terry Stott qui s'accrochent à leur 8e place avec 18 victoires et 23 défaites. Les Cavs, eux, tournent au ralenti, hein, en ce moment avec cette seconde défaite de suite. Et la troisième défaite en 5 matchs pour un bilan de 28 victoires pour 10 défaites. Hein. On va parler des stats. Hein. LeBron James, 3 joueurs à au moins 10 points, 20 points, 11 rebonds, 4 passes pour LeBron James, 17 points, 8 rebonds pour Kevin Love, 11 points pour Kyrie Irving. Et du côté de Portland, les Blazers ont été un peu plus en réussite avec 43% au tir. Donc 10 tirs à 3 points et seulement 9 ballons perdus. CJ McCollum est l'homme en forme de ce match. Il continue de briller. Hein. Il a marqué 25 points sur cette. Il a marqué au moins 25 points. Il a signé 27 points pour ce match. 11 sur 20 au tir, 5 sur 10 à 3 points. Hein, dont 21 points marqués en seconde mi-temps. Hein, Alan Crabb, son partenaire, a ajouté 24 points en sortie du banc. Et tout cela a contrebalancé avec la maladresse de notre meneur, l'un de nos meneurs préférés sur le parquet, Damian Lillard, qui a été limité à 14 points, 5 sur 15 au tir. Donc voilà, une belle victoire des Blazers qui s'accrochent à leur 8e place et une équipe des Cavs qui ont perdu, hein, c'était un peu compliqué pour eux, c'est des choses qui arrivent. Adrien, je voulais vous poser la question, tu vois les Blazers en playoff cette année ou pas? Faut qu'ils se ressaisissent. Oui. Si, il faut pouvoir enchaîner parce que là ils ont battu le champion. Après, ils vont retomber comme dans leur travers. Dans leur travers. Ils en ont l'habitude. Très, très compliqué cette saison des Blazers. Donc, on va enchaîner avec le match suivant. Oklahoma City contre les Grizzlies de Memphis.
Et on va rappeler que le Thunder, hein, et surtout Russell Westbrook voulait, hein, il voulait prendre sa revanche sur cette équipe qui les avait battus la dernière fois. Ils ont donc battu les Grizzlies sur un score de 103-95 avec un Russell Westbrook. Évidemment, hein, pour lui, en mode marsupilami, super saiyan, une fois de plus, avec un triple-double dont il a le secret, 23 points, 13 rebonds, 12 passes pour Russell Westbrook. C'est le 18e triple-double de sa saison. Hein. Personne n'a fait aussi bien que lui depuis Magic Johnson. Hein. C'était en 81, lors de la saison 81-82. Et c'est le 55e triple-double de sa carrière. OKC remporte au passage sa troisième victoire consécutive. Donc voilà pour cette équipe d'Oklahoma City. On va enchaîner avec la rencontre suivante. Ce sont les Rockets de Houston contre les Timberwolves du Minnesota. Et on va rappeler que pour espérer battre une équipe qui marche sur l'eau, hein, on peut le dire, hein, cette équipe des Rockets qui marche carrément sur l'eau. James Harden et Adrien, qu'est-ce que tu... Il t'impressionne cette saison, non? Un peu comme nous aussi, James Harden. Pour potentiel MVP. Potentiel MVP, oui. Vraiment, potentiel MVP. Oui. Hein, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le statut. Oui, vas-y, enchaîne. Et aussi, je les vois de second tour. Ah, tu les vois aussi au second tour, oui. Oui, oui. Oui, une excellente saison pour Houston Rockets cette année. Et on va rappeler, donc, pour les battre, hein, il fallait que les Wolves soient vraiment haut niveau. Il fallait qu'ils augmentent leur niveau de jeu. On va parler d'un Andrew Wiggins avec 28 points, 11 sur 20 au tir. Karl Anthony Towns, 23 points, 18 rebonds. 5 passes, 3 contre pour lui. Shabazz Muhammad, 20 points, 7 rebonds. Et Ricky Rubio, 10 points, 17 passes. Ils ont été à la hauteur de leur potentiel face à James Harden et à ses coéquipiers. Ils ont réussi à battre les Rockets sur un score de 119-105. On rappelle que les Rockets restaient sur 9 victoires de suite. Hein, et James Harden a signé 33 points, 6 rebonds, 12 passes pour lui. Hein. On rappelle que Eric Gordon était absent. Il est blessé au gros orteil. Il a manqué déjà 2 matchs hein, pour l'arrière de Houston. Eric Gordon qui est donc absent pour blessure. En attendant, donc voilà. On enchaîne avec ce dernier match. Les Celtics de Boston, l'équipe de notre fidèle auditrice Missy. Et qui ont donc affronté les Wizards de Washington, hein, les Celtics de Boston qui ont affronté les Wizards. Et on va rappeler que c'était une 5e victoire en 6 matchs pour les Celtics qui ont donc battu les Wizards sur un score de 117-108. Asia Thomas a été décisif avec 20 de ses 38 points, 6 rebonds et 5 passes pour lui. Dans le 4e quart-temps, il était accompagné d'Al Horford avec 16 points, 9 rebonds. 3 passes, 2 contre pour l'intérieur de Boston. Jay Crowder a lui enchaîné avec 20 points et 5 rebonds. Adrien, une petite question. Hein. Si oui, je te demande de choisir entre Asia Thomas et Kyrie Irving, tu prendrais qui comme meneur? Comme meneur de jeu. Pour ton équipe. Le problème, c'est que aujourd'hui, Kyrie Irving, il est dans une équipe où il a un véritable, il a le patron du basket mondial à côté de lui, tu vois. Oui, oui, oui. Du coup, il ne peut pas faire certaines choses. Il ne peut plus faire le bonbon qu'il faisait avant. Mm-hmm. Par contre, tu veux dire qu'il se retient. Voilà, il est devenu un véritable meneur de jeu comme les Européens aiment. Mm-hmm. Par contre, l'autre est beaucoup plus, il est beaucoup plus scoreur. Oui, comme meneur de jeu aujourd'hui, moi je prendrais Kyrie Irving. Tu prendras Kyrie Irving, donc bref, on va pas dire que tu mets Kyrie Irving au-dessus d'Asia Thomas en ce moment. Pour toi, il se retient beaucoup à cause de meneur de jeu. Oui, comme meneur de jeu, oui, c'est ça. Ah, ouais. On sait quand même qu'il a la présence du King James sur le parquet. Il ne peut pas donner 100%. De ses moyens et Missy depuis Paris qui précise que les Celtics ont l'habitude de battre les Wizards hein. ce n'est pas assez nouveau. Chaque fois qu'ils jouent les Washington, ils ont l'habitude de les battre. Et elle rappelle aussi que pour le match des Sixers, ça c'est une précision que j'ai oublié de
de rappeler pour Joel Embiid, il a pris 14 rebonds. Je rappelle que c'est son record en carrière pour le pivot de Philadelphie. Hein, donc voilà, hein, donc la réaction de Missy depuis Paris. Voilà pour les résumés des matchs et on va enchaîner avec les previews des victoires attendues, pour ce soir. Mopo. Ah. Alors Mopo, je te donne les Pacers d'Indiana qui affrontent les Nuggets. C'est pas le match qui a passé. Ah oui, ça c'est le match qui est déjà passé. Hein. J'ai déjà donné le. Merci, j'ai déjà donné le résultat. Les Pelicans qui se déplacent à Brooklyn. Anthony Davis qui se déplace à Brooklyn pour affronter Brook Lopez. Je pars avec Anthony Davis. Oui, tu pars avec Anthony Davis. Tu ne prends pas de risque. Il est un peu incertain à ce qu'il paraît. Non mais contre Brooklyn, il va aller avec Davis. Ah oui, ok. Ça marche. Même si Adrien, je reste avec Davis. Oui. Adrien, je te donne le match. Alors ça, c'est un match intéressant. Même si Jimmy Butler ne sera pas présent. Il est encore un peu souffrant. Les Bulls, ceux qui affrontent New York ce soir, ils se déplacent. Ils jouent contre les Knicks. Ils se déplacent à New York, Chicago. Tu donnes la victoire à qui? New York, ce sera un peu. Ils ont perdu bêtement hier, ils ont certainement dû se faire remonter les bretelles déjà à travers les réseaux sociaux et dans le vestiaire. Et là, ils jouent. De se rattraper. Là, ils jouent une équipe de Chicago qui n'aura pas son meilleur joueur. C'est vrai. Certes, oui. Je pense que victoire de New York pour toi. Ok. Le Doc NP. Oui. Alors on va dire que je pose la réponse. Hein, les Lakers qui se déplacent à San Antonio. Attends, tu rigoles. C'est une surprise. Hein. Victoire des Spurs. Hein, ça, c'est, comme tu dis, c'est pour ça que je pose la réponse. Oui, je pense. Bon, je te donne le match suivant. Alors, le match suivant, tu vas toujours rigoler. Hein. Je te donne les deux équipes, mais ça va te faire rigoler. Dallas qui se déplace à Phoenix. C'est un match. c'est un match. Je pense que on aura droit à des prolongations. Mais... C'est jambotique ou pas? Non, il ne faut pas courir de risque. C'est vraiment kiff-kiff. Hein. C'est vraiment kiff-kiff. Phoenix à domicile. Va peut-être essayer de faire quelque chose, mais si Dallas joue son jeu, ils doivent gagner là-bas. Ouais, donc victoire de Dallas en temps normal, comme le dit le doc. Eddie! Ça se joue au Mexique, non? Oui, ça se joue au Mexique, oui. Ce match se joue à Mexico. Eddie! Ouais, le big! Eddie, les Pistons de Détroit se déplacent à Golden State. Est-ce que pour toi, je pose la réponse aussi ou bien. Tu vois qu'il y a match. Il y a match. Ah, ok. Ouais, c'est parce que c'est les Warriors actuellement ne sont pas. Le Warriors, ils sont en baisse de forme. Ils sont en baisse de forme et. Ça donne davantage confiance à leurs adversaires. Oui. Et ils gagnent des matchs, mais de la plus difficile des façons, quoi. Donc, je pense qu'il y aura un match déjà avec tout le monde à l'intérieur et Masvarovic. Marjanovic, le géant qui vient de San Antonio. Je pense que le coach va le faire plus jouer. Oui. Parce que la bouteille de pour menacer vraiment la bouteille de Détroit. Donc je me dis ce sera un match chaud. C'est vrai que Golden State va finir par gagner, mais je pense que ils auront énormément de soucis à l'intérieur. Une victoire des Warriors, mais une victoire compliquée, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Allez, voilà pour les previews attendus pour les games de ce soir. Donc, si vous avez l'intention de mettre un peu de sous de côté, vous savez quoi faire pour enchaîner la semaine. On va attaquer la dernière partie de ce talk show. Avec la rubrique tant attendue du Doc Wendy qui va nous faire
voyager pendant l'épopée des playoffs NBA. Ah, il va nous parler de Portland ce soir. J'ai hâte de l'écouter. Hein, le Doc NP, tu es prêt pour ton jingle? Et je me bats avec, je sais pas si c'est un virus dans mon ordinateur. Je me bats avec un petit souci avec avec ta connexion qui t'embête un peu. Hmm. Oui, je vais attaquer avec. Hein, vas-y, enchaîne. On sait qu'on a déjà, on a déjà affronté des situations compliquées, enfin, des situations souvent, on va dire, souvent un peu difficiles. On appelle ça les aléas du direct. Allez, on enchaîne avec la rubrique du doc. À tout de suite pour le direct. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, on enchaîne avec cette troisième et dernière partie de ce direct live No League Basket épisode 10 de cette deuxième saison avec la rubrique du Doc ONP. La rubrique du Doc ONP sur le parquet de la radio. À toi le Doc. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc nous voilà dans les limites une fois de plus, un jeudi de plus. Et comme je l'ai annoncé, on est en mode playoff. Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien, le Doc. Vas-y, y a pas de souci. D'accord, parce que j'ai un petit souci, je le dis à mes aux auditeurs déjà, de me pardonner pour cela. Mais donc, nous allons aborder rapidement cette finale de conférence de Lille. Hein. On parle des grosses finales, des grosses séries de playoffs de légende. Donc, comme je l'ai dit, on va aborder cette série ou cette série qui part de la saison régulière. Beaucoup le savent pas. Ça part de la saison mal négociée par Portland. Parce que tout simplement, l'avantage du terrain va être brisé une fois, deux fois, mais va finir par l'emporter. Pour la simple et bonne raison que en saison régulière, Portland va gagner contre pratiquement va sweeper tous les grosses équipes favorites. Mais va perdre des petits matchs qu'ils ont négligés et qui va faire en sorte qu'ils se retrouveront deuxième de cette conférence. Et pourtant, au début de la saison, c'était l'équipe favorite. Ce n'était pas les Lakers, l'équipe favorite. Le recrutement de Portland était de taille hein, cette saison-là. On l'a dit, hein, outre Rachid Wallace qui faisait la loi dedans avec Sabonis, ils avaient du Damon Stoudemire, Scottie Pippen, Steph Smith. Je vous passe beaucoup de noms, mais c'était vraiment l'équipe. Hein. D'ailleurs, ils ont payé une grosse luxury tax. Le président n'avait pas de problème pour cela. Donc, Brian Grant, hein, Detlef Schrempf, je rappelle Detlef Schrempf, était aussi là-bas, Jermaine O'Neal. Stacey Ogmond, Greg Anthony. Ama, tu as dit qu'ils ont payé beaucoup de. Pardon? Tu as dit qu'ils ont dû payer beaucoup de. En fait, ils ont payé la luxury tax. C'est parti. Ils avaient une masse salariale terrible. Mm-hmm. Mais le président de Portland, qui était le numéro 2, je ne sais pas, de Microsoft ou je ne sais pas d'où à l'époque, ou je ne sais plus de quelle compagnie, là, je ne me rappelle plus bien de son nom, il avait décidé de faire un coup, tout simplement. Et donc, voilà Portland qui doit se déplacer, malheureusement pour eux, malgré cette équipe favorite à Los Angeles, qui certes avait une grosse équipe, mais précisons quand même, eux, hein, les gars, jusqu'à ces playoffs, les Lakers ne sont pas favoris comme nous on le sait maintenant. Parce que déjà, depuis 4 ans, l'arrivée de Shaquille O'Neal, ils pataugent, ils sortent avec des 4-0 en playoffs, ils se font laminer. Donc là, en 2000. Certes, Kobe Bryant commence à faire une belle saison. Ils ont pris Glenn Rice, Ron Harper, c'est-à-dire Phil Jackson a amené quelques anciens éléments. Hein.
Brian Shaw, Rick Fox, AC Green, Devin George sur le banc. Mais ce n'est pas les favoris devant cette armada de Portland. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est deux hommes... J'ai oublié le Junju Man, le sorcier, Robert Torrey. Oui, on a compris que j'ai bien cité, mais beaucoup ne se doutaient pas que les Lakers pouvaient arriver à cela. C'est après le 4-1 contre Phoenix, le final de conférence, que là, on se dit, il y a un coup. Ils ont un coup à faire là-dedans. Est-ce que c'est enfin l'équipe tant attendue? Mais de l'autre côté, Portland était un petit peu sans pitié. Hein. Eux, ils ont marché sur tout le monde et arrivé à cette finale de conférence. Le Game 1 va être une confirmation pour les Lakers à 109 contre 94, je me rappelle bien, avec Shaq et Kobe hein, qui vont confirmer leur état de forme des playoffs. Rappelons que dans ces playoffs, on découvrait le jeune Bryant qui n'avait pas encore 22 ans, qui n'avait pas encore, je pense, oui, il n'avait pas encore 21 ou 22 ans. Mais on voulait voir comment il se comporte sa première finale. Sa première finale NBA. Donc, ça va être timide, mais ça va être efficace parce que les Lakers vont s'appuyer sur Shaquille O'Neal qui va marcher sur Arvydas Sabonis. Shaquille O'Neal, si mes souvenirs sont bons, il met 41 points et 11 rebonds. Bestial. Ouais. Bestial, totalement bestial. Donc, c'est sans surprise, l'avantage du terrain est conservé. Scottie Pippen essaye de lead son équipe, tant bien que mal. Mais bon, des joueurs comme Arvydas passent à côté de leur match. Hein, 0.1, 2 assists, un seul rebond. Pour un pivot titulaire, c'était vraiment très, très faible. Mais par la suite, maintenant, Game 2, surprise. On retrouve le Portland favori, parce que Portland est favori sur cette série. Le Portland favori... Ils vont marcher sur les Lakers. Je sais même pas si c'est un score qui ressemble à un score de ce soir. 106 à 77. Vraiment un indicatif téléphonique terrible à Los Angeles. À Los Angeles. Et là, c'est là que le réveil de Rashid Wallace et de Scottie Pippen et Steve Smith, à eux trois, ils combinent 29, 21, 24 points. Sans compter que Wallace, c'est 29 points et 12 rebonds. Et. Pourtant, le banc de Portland va se contenter de faire de la sale besogne hein, défensive. Il n'y aura pas beaucoup de marqueurs sur le banc, à part Bonzi Wells, qui essaye de s'en sortir. Mais du côté des Lakers, Shaquille O'Neal, qui est relégué à que 23 points, on dit que 23 points, 12 rebonds. Kobe Bryant, final, après ses 13 points du game 1, que 12 points. Donc, les Lakers se font surprendre. Mais le vrai coup des Lakers, le vrai coup vraiment qu'ils vont faire, c'est d'aller à Portland, où depuis le début des playoffs, c'est un peu compliqué de gagner. C'est d'aller à Portland sur le game 3, aller prendre la victoire. Là, ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Parce que je te dis bien, depuis le début de la série, Portland tape les Timberwolves 3-1, les Jazz de Malone et Stockton 4-1. Donc, pour eux, normalement, tout le monde les attend. Alors que les Lakers, au premier tour, se rappelaient contre les Kings, ça a été 3-2 et une série compliquée. C'est après le 4-1 sur les Suns qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas. Donc, les Lakers vont aller à Portland prendre un Game 3 épique à que de 2 points. Ce Game 3, si les petits jeunes peuvent aller le voir, ça a marqué le premier réveil de Kobe Bryant dans cette série. Parce qu'il élève son niveau à 25 points, 7 rebonds, 7 passes. Et Shaquille O'Neal est à 26 points, 12 rebonds. Il va élever son niveau et un money time très compliqué pour Portland qui va donner la victoire de 2 points aux Lakers. Et donc, les Blazers sont menés 2-1. Le Game 4 à Portland encore. On attend la réaction des Blazers, mais non, les Lakers creusent à 3-1.
tout simplement. Les Lakers creusent à 3-1. Et c'est ce côté épique de cette série. On se retrouve dans une configuration où une équipe est menée 3-1. Et l'équipe favorite est menée 3-1. Ça nous rappelle les trucs qui se passent, qui sont passés en 2016. Mais là, l'équipe favorite est menée 3-1 en finale NBA. Ouais. Et ce Game 4, Kobe Bryant va faire ses 18 points, hein, moins 20 points. Mais Shaquille est à 25 points. Regardez bien qu'avec Arvidas et Rashid Wallace, plus Jermaine O'Neal, qui est le jeune Jermaine O'Neal qui se bat, Shaquille, à part le Game 1, n'a pas explosé pour l'instant de gros scores, entre 23 et 25 points. À part le Game 1 où il a commencé en force, Portland a réussi à le limiter. Et Kobe Bryant, lui aussi, le jeune Kobe Bryant à ce moment-là, c'est entre 18 et son seul 25 points, ce Game 3 où ils sont partis dans le hold-up. Mais ce Game 4, l'équipe entière des Lakers va réussir, surtout avec le réveil de Glenn Rice, à aller prendre le Game 4 à Portland. À 3-1, vous connaissez les statisticiens, la série est pliée. Pour tous les statisticiens, 3-1, la série est pliée. On voit déjà les Lakers gagner. Mais c'est parler trop vite parce que le Game 5 à Los Angeles, Portland va aller le chercher. Portland va aller le chercher avec les triples. On a vu Scottie Pippen relever sa défense. Scottie Pippen qui jusque-là n'avait pas beaucoup de soucis à gérer Kobe Bryant. Hein. Mais offensivement, c'était pas trop ça. Le Game 5, par contre, il va relever au niveau défensif. Shaquille O'Neal va faire un gros score, peut-être l'un des plus gros scores qu'il ait fait, l'un des plus, mais c'est pas le plus, en finale NBA, 31 points, 21 rebonds. Mais Scottie Pippen et notamment Steph Smith vont tour à tour défendre. Kobe Bryant sera limité à 17, Glenn Rice que à 4 points. C'est l'un des duels Steph Smith et Glenn Rice dont je vais parler prochainement, hein, sur une série Charlotte contre Atlanta. Une série épique aussi, mais ils se retrouvent là dans deux autres équipes et c'est ces deux gars qui ont toujours matché. Et là, Steph Smith va reléguer Glenn Rice à 4 points, que 4 points. Ron Harper va essayer de sortir son épingle, mais quand tu as dans le 5 entre un AC Green qui met 0 point, 4 rebonds juste, c'est pas bon du tout. Derek Fisher, à l'époque, moyennement brillant, va quand même mettre ses 10 points, mais Portland, le couteau entre les dents, est arrivé à Los Angeles avec une équipe défensive de haut niveau. Au niveau des points, ils se partagent. Comme d'habitude, Wallace, Pippen, Steph Smith et Arvidas Sabonis, ils font leur boulot. Damon Stoudemire passe à côté de son match, mais lui, il était là, il était chargé de faire le sale boulot aussi. Donc, ils se retrouvent à maintenant... Là, nous sommes bien, nous sommes au Game 5. Game 5, ouais. C'est bien, nous sommes bien, oui, nous sommes au Game 5 où les Blazers reviennent à 3-2. Maintenant, la question qui va se poser, la question qui se pose à ce moment-là, quand tu es dans une série de playoffs, est-ce que les Lakers vont aller finir, puisqu'ils ont déjà pu gagner deux matchs à Portland, est-ce qu'ils vont remonter à Portland, finir le boulot? Ils l'ont déjà fait gagner deux matchs. Là-bas, ils l'ont déjà fait. Et je me rappelle l'un des mots clés de Phil Jackson à ce moment-là. Phil Jackson, retenez-le bien, à ce moment-là, Phil Jackson n'a pas encore connu de Game 7 dans une finale NBA. Il a 6 titres, mais il n'a pas connu de Game 7 dans une finale NBA, grâce à un certain Michael Jordan aussi, entre autres. Mais ouais. Phil Jackson, son mot d'ordre, ce sera « Je ne veux pas de Game 7. On va aller devoir finir là-bas, comme il a fait en 93 à Phoenix. Lui, pour lui, il faut aller finir à l'extérieur. Et comme il a aussi fait à Utah lors de sa dernière finale avec Michael Jordan. Mais malheureusement pour lui, ce sera sans compter sur une équipe des Blazers qui est retrouvée. Équipe des Blazers qui est retrouvée avec un Steph Smith qui va... Steph Smith qui est le capitaine de cette équipe. Steph Smith,
Ah oui, c'est, excusez-moi, c'est, j'ai une finale de conférence. Je me suis un peu perdu, hein, c'est une finale de conférence. Et Steve Smith, qui est à ce moment-là le capitaine de cette équipe, très peu le savent, mais c'est lui le capitaine de cette équipe, Steve Smith. C'est lui avec Scottie Pippen, qui est co-capitaine, mais le capitaine de l'équipe, c'est Steve Smith, qui va inscrire 26 points, 5 rebonds, 2 assists, donc un troisième carton de feu, qui va sceller le match. Le match finit 103 à 93, mais Steve Smith va vraiment sceller le match dans un troisième carton de feu. Kobe Bryant, pour la première fois de la série, est meilleur marqueur chez les Lakers, mais ce n'est pas suffisant. Il va inscrire 33.6666 assists, mais le mot d'ordre là, pour une fois chez les Blazers, sera de verrouiller Shaquille O'Neal, qui pour eux peut-être était la clé pour finir le match à Portland. Donc ils vont verrouiller Shaquille O'Neal à 17 points, 11 rebonds, et ils vont, parce que là si on remarque bien, il manque juste 10 points de Shaquille O'Neal pour que la série soit pliée, mais Shaquille va faire moins de 20 points et on aura notre Game 7. Le Game 7 peut être le plus épique d'une finale de conférence depuis très longtemps à ce moment-là, voire même nous jusqu'à présent, quand on y repense, à part le Game 7 que LeBron a joué contre Boston en 2012, il y a eu très peu de Game 7 dans les années 2000 avec une intensité de ce niveau et surtout un rebondissement extrême. Le rebondissement, ça c'est tous les jeunes de maintenant ont dû le voir, ce Game 7 où comme OKC a pu le faire cette année, comme Golden State a pu le faire cette année pour les plus jeunes, il s'est passé un truc à Portland, une faute professionnelle que les journaux ont pu dire, que les entraîneurs, le président, ça a été une faute professionnelle parce que Portland va commencer ce match. Vraiment, les armes au point, ils vont masser les Lakers complètement. On retrouve le port là, Rachid Wallace va sortir un match de dingue. Scottie Pippen va se mettre en défense, retrousser ses manches. Steve Smith va élever son niveau. Mais ils vont le faire pendant 3 cartons, malheureusement. Ils vont le faire pendant 3 cartons parce qu'ils entament le 4e carton avec près de 15 points d'avance. Près de 15 points d'avance. Il y en a comme moi, supporter anti-Lakers à l'époque, supporter de Portland et le bandeau. Je me rappelle bien avec mon maillot de Damon Stoudemire et mon bandeau sur la tête. Regardez le Damon. Qui sont allés se coucher en disant on est en finale. Et parce que pour beaucoup, le finaliste était champion. C'était la finale. Là. Voilà pourquoi peut-être je m'embrouillais en disant finale. Mais le finaliste, le vainqueur de cette série était le champion. On ne voyait pas qui à l'Est pouvait matcher contre l'une de ces deux équipes. Surtout que Portland était l'extrême favori. Mesdames, messieurs, je me suis réveillé le matin avec les titres. Ce qu'on regardait sur Canal+, l'exploit de Los Angeles, parce qu'ils vont remonter 15 points. Et grâce à qui beaucoup pensent qu'on montre l'action de Kobe Bryant qui cross Scottie Pippen et qui lève un alley-oop pour Shaquille O'Neal. Mais ça, c'est l'action qui scelle le match. C'est Bryant Shaw qui va être l'artisan de cette remontée dans le quatrième carton. Bryant Shaw, qui est sorti du chapeau, hein. Ça a été magique, on ne sait pas d'où il est sorti. Bryant Shaw va inscrire, je pense, 3 paniers à 3 points consécutifs dans les moments chauds, qui va faire revenir les Lakers recoller au score, et Portland aura la tête dans les chaussures. Et c'est comme ça, tout simplement, que les Lakers vont réaliser un exploit. Pourtant, Portland était vraiment à deux doigts de faire de Blue 3-1 lead. Ils ont failli vraiment compenser 3-1. Mais beaucoup ont dit à ce moment-là, chacun cherchait les prétextes, hein, mais beaucoup de spécialistes ont compris l'avantage du terrain parce que ça a dansé un petit peu dans les deux sens. Mais un game 7 à domicile a peut-être joué entre ces deux équipes. Et Portland a dû repenser au petit match parce qu'ils ont battu tous les gros. Ils ont sweepé tous les gros lors de la saison régulière. Tous les rencontres, ils les gagnaient, mais ils ont perdu des petits matchs tout bêtes qui a fait qu'ils sont retrouvés deuxième de cette conférence à quand même 7 ou 8 victoires des Lakers. Mais ils l'ont regretté là et c'était une faute professionnelle. Cette équipe qui n'aura plus, à mon sens, l'occasion,
c'était vraiment une occasion, c'était un coup de poker que le président a fait, de prendre, de payer autant de gros joueurs, certains sur leur fin de carrière, et de leur dire, je vais vous mettre ensemble, vous allez m'amener un titre, après je m'en fous, je paye. Après, ils n'ont plus cette chance, hein, mais c'était une finale épique, une finale de conférence épique, qu'on a eu là. Je m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai dit finale NBA, mais c'est une finale de conférence. Mais parce que dans ma tête, ce truc, c'était vraiment, à mon sens, hein, ouais, à moi, la finale avant l'heure. Ouais, ouais, ouais. La finale, c'était vraiment du costaud. Ouais. La finale avant l'heure. C'est du lourd. Donc, parce que vu le temps passé, parce que je m'attendais déjà à beaucoup de passion sur cette finale de conférence. Je ne vais pas beaucoup durer sur un phénomène. Pour moi, c'était un phénomène qu'on a vu, hein, qu'on a vu dans d'autres équipes, le type de joueur qui change d'équipe et qui se retrouve dans son ancienne équipe en play-off la saison suivante. C'est l'homme qu'on appelle Steve Nash, qui a quitté Dallas d'une façon bizarre. Parce qu'en plus, son duo avec Dirk Nowitzki était parti pour être l'un des plus grands duos de l'histoire de ce sport. C'était vraiment... Ils ont pris l'équipe au bas de l'échelle, ils les ont remontés, ils les ont vraiment remontés. Hein. Dallas, c'était, tu te rappelles, tu en parlais plusieurs fois, Phil. Ouais, Dallas, c'était l'équipe... voilà, c'est le punching ball de toute la NBA à un moment donné. C'était le punching ball de toute la NBA. Automatic tanking. Voilà, mais ils ont remonté cette équipe et il s'est passé un truc. On n'a pas trop compris le départ de Steve Nash je pense c'est une saison ou deux avant pour Phoenix. Il a remplacé Jason Kidd un petit peu là-bas. Mais on n'a pas trop compris. Pour moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas parce que ce n'était pas un problème d'argent. Ce n'était pas un problème d'argent du tout. Mais ils se sont débarrassés de Steve Nash. Et donc, Steve Nash, lui, il a été rancunier. Il a avoué lui-même. Il a eu une grosse rancune. Il aimait beaucoup ce club de Dallas. Et quelques déclarations et quelques gros scores ont donné lieu à une rivalité. C'est ce type de truc qu'on cherchait, nous, des rivalités. C'est ce qu'on cherche à présent. Des petits trucs, des petites bagarres ou des petites déclarations ou des petits faits d'histoire comme il peut se passer entre OKC et les Warriors maintenant. Des petits trucs qui créent une haine entre deux équipes et qui nous donnent, nous les auditeurs, nous les fans, nous les spectateurs, ce goût d'assister à la confrontation. Et ce goût, c'était Steve Nash tout simplement. J'invite tous les auditeurs qui nous écoutent et tous les fans de basket à aller revoir l'histoire de la petite rivalité entre Phoenix et Dallas qui se rencontre ce soir, hein, comme par hasard, qu'il y a eu parce que le retour de Steve Nash avec son titre de MVP en 2005, son retour à Dallas, ça a été fracassant. Ça a été vraiment fracassant. Ceux qui veulent revoir cette série de playoffs, je les invite vraiment à aller voir ça. C'était pas des lols, comme on dit chez nous. C'était pas des lols parce que ça a joué sérieux et ça a joué sale. Ça a joué vraiment sale. Ça a joué dur. Ah oui, mais ça a joué vraiment sale parce que au premier round. Les équipes, voilà, Phoenix se balait Memphis 4-0, sans état d'âme, tandis que Dallas a souffert contre Houston. Mais là, ils se sont retrouvés au deuxième round. Deuxième round, c'est fini 4-2, hein, je le dis déjà parce que je vais balayer ça, on ne va pas s'éterniser, on a un parti. Ouais. Mais il faut voir ce qui s'est passé dans cette finale, parce que au final, Phoenix passe. Voilà, Phoenix gagne 4-2. Mais l'arrivée de Steve Nash sur le parquet de Dallas, ça a été, pour le qu'on puisse dire le moins du monde, houleuse. Ça
C'était vraiment où il avait 30 ans, hein, vraiment voilà, l'âge mûr, avec son Amari Stoudemire, Sean Marion, Jim Jackson, Quentin Richardson, Joe Johnson, Leandro Barbosa, Bo Outlaw. C'était l'équipe à battre. C'était vraiment l'équipe à battre, cette équipe de Phoenix. Pour moi, c'était la meilleure équipe de la Ligue, hein, cette saison, 62 victoires. Dallas en faisait 58. Hein, et là, on avait affaire... Ah, tu dis ? Quelle année ? 2005. 2005, ouais. Bah, c'est les playoffs 2005 au deuxième tour, demi-finale de conférence. Il dit qu'il ne défendait pas. Oui, mais non, mais Phoenix défendait, mais Phoenix avait une armada. Phoenix, c'est vrai que Mike D'Antoni, c'était Mike D'Antoni le coach à l'époque, non ? Oui, sa philosophie, ça a toujours été l'attaque à tout va. Voilà, mais Phoenix était un peu comme les Warriors de maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Phoenix avait une attaque de feu. C'est-à-dire que jouer Phoenix, tu étais sûr de prendre 120 points. C'était facile de prendre. Il les mettait. Il les mettait 119, 120. Ça. D'ailleurs, dans cette finale de conférence, Game 1, ils infligent à Dallas 127 points. D'un coup. Pourtant, Dallas, c'était pas n'importe qui. Dallas, vous vous rappelez déjà, Dallas de 2005, à partir de 2005 jusqu'en 2006, quand ils perdent en finale, Dallas, c'était du Jerry Stackhouse, du Dirk Nowitzki, Josh Howard en défense, Jason Terry, Michael Finley en défense quand même, Eric Dampierre, Marquis Daniels, des défenseurs. C'était même Devin Harris. C'était assez complet. Alan Anderson, c'était une équipe très complète, sans compter Sean Bradley. Mmh. Sur le papier, sur l'effectif, c'était du méga lourd. Sauf que face à Phoenix, ça ne pardonnait pas. Phoenix avait une attaque de feu. Tout simplement, Leandro Barbosa à son prime, Amari Stoudemire et Steve Nash, plus Sean Marion, Jim Jackson, Joe Johnson, le tueur silencieux, était aussi là-bas. Ça ne blaguait pas. Donc, le game 1, je vais passer même des stats. Mais lorsque Phoenix gagne le game 1, on pense que c'est fini. Dallas va aller prendre le game 2 à Phoenix. Et deux points avec un Dirk Nowitzki clutch de la mort. Au game 3, Phoenix va aller gagner à Dallas. Et c'est ce game 3, à l'arrivée de Jason Kidd, game 3, demi-finale de conférence à Dallas, que les jeunes aillent voir. L'arrivée de Steve Nash, plutôt, excusez-moi, à Dallas chez lui. Ça a été, il a été hué comme jamais, mais ouais. Il a fait une performance. C'est une performance de la mort, parce que je pense que cette Steve Nash arrive. Je ne me rappelle plus de mes souvenirs. Je pense qu'il met, voilà, il met 27 points, 17 assists. Ouais. Il a mis 27 points, 17 assists. Il a fait taire le public d'une façon grotesque. Mmh. C'était d'une façon grotesque. Et Amari Stoudemire prenait les ballons dans les airs, hein, 37,14 rebonds sur ce match. Donc, ils vont aller gagner à l'extérieur. Ensuite, ils vont revenir à Phoenix. Non, parce que à l'époque, si tu te rappelles, Phil, c'était 2-3-2. Mm-hmm. Ça se jouait comme ça, je pense, à ce moment-là. Ouais. C'était 2-3-2. Oui, donc, ils vont gagner. Phoenix va gagner à Dallas. Ils vont mener 2-1. Dallas va égaliser. Et ensuite, Phoenix va finir la série. En prenant le match qu'il faut à Dallas et en finissant. Ouais, je pense que c'était une série comme ça, 2-3-1-1-1, un truc comme ça. Mais ouais. J'invite tous les jeunes à aller voir ce que Jason... pourquoi je dis Jason Kidd chaque fois, c'est Steve Nash. Steve Nash a fait lors de cette série. Moi, ça m'a marqué particulièrement parce que je n'avais jamais vu un petit blanc-bec qui ne ressemblait à presque rien du tout. C'est dans la saison régulière. Excellent cheveux. Mais on l'a vu dans les moments chauds. Et pour Adrien qui me disait, le game 6 que Jason Kidd va aller Steve Nash va aller prendre à Dallas, c'était vraiment 2-3-1-1-1 en série. Il va prendre le game 6, il va conclure la série à Dallas sur son parquet à lui, devant son public, son ancien public. D'une façon extraordinaire. Moi, cette année-là, je voulais qu'on donne le MVP à Kobe Bryant, puisque je commençais à le supporter. Mm-hmm. Non, c'est la saison-là, mais bon, tu ne pouvais pas le lui donner à Kobe Bryant cette saison-là. C'est là où, quand j'ai vu cette demi-finale de conférence, on lui a remis son titre de MVP au Game 1 à Phoenix. J'ai vu le Game 6 de Steve Nash. Il va à l'extérieur faire 39,12 assists. J'ai fermé ma bouche. J'ai dit, prends ton MVP, tu pars avec, mon type.
Prends, c'est toi le patron de la ligue. C'est toi le trompeur. Il est allé finir la série lui-même et le public, on est bien dans une atmosphère hostile où le public n'arrêtait pas de le siffler. Il fallait le déstabiliser, mais d'un sang-froid extraordinaire. Il a tout fait. Des assists, des no-look passes, des tirs à trois points, des tirs au milieu, le buzzer, les passes. C'était, ça venait de partout. Et Sean Marion va l'accompagner avec 38 points. Là, ce n'était pas prévu. 38 points, 16 rebonds. Donc, et pour te dire, les deux équipes, on va me dire Dallas avait des défenseurs, mais ils prennent 130 points. Phoenix va mettre 130 points un Game 6 à l'extérieur. 130 points. Les gens ne se rendent même pas compte. C'était du grand n'importe quoi. Ouais. C'était du grand n'importe quoi. Et pour rappel juste, qui peut me rappeler, je veux pas demander qui peut me rappeler, cette saison-là, Phoenix fait combien de victoires? Parce que je compare un peu leur nombre de victoires. À ce moment-là de la saison, ils sont à 70-22. Donc, c'est vraiment terrible que les jeunes aillent voir, vraiment. Et la revanche aura lieu l'année suivante. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais même pas rentrer longtemps, vu le temps imparti, dans la revanche. Ouais, mais la revanche aura lieu l'année suivante. Hein. Mm-hmm. Cette revanche où Dallas, et c'est là où le public de Dallas m'a plu, le public de Dallas, cette fois-là, va pousser. Et là, c'est une finale de conférence. Les équipes vont se retrouver en finale de conférence. Et je me rappelle Dirk Nowitzki, dans des déclarations contre son ancien ami, va faire des déclarations provocantes. Hein, parce que cette fois-là, Dirk sort d'une saison où on donne encore le titre de MVP à Steve Nash. Où il se voyait aussi, lui, déjà, dans cette... MVP. Oui, voilà. C'est vraiment... C'est une saison où, certes, je pense que c'est Phoenix qui sort premier, mais Dirk fait une saison de malade aussi. Cette saison-là, mais Steve Nash va encore avoir ce titre de MVP, donc les déclarations vont y aller. Ils vont se retrouver pour un peu comme tu te rappelles la série Miami contre New York, où ils se retrouvaient presque chaque année. Là, ils vont se retrouver, et c'est la saison où le président de Dallas, là, j'oublie son nom, Mark Cuban, elle a dit Not twice, pas deux fois. Et il a dit, lui, c'était tout situé dans sa boue, not twice. C'était impossible que là, il perde à nouveau contre le joueur qu'il a fait partir. Parce que les mecs lui ont dit, voilà le joueur que t'as fait partir qui est venu nous botter le cul l'année dernière. Et là, ça va être contrôlé par Dallas pour la simple et bonne raison qu'à part le Game 1 où Phoenix mettra 121 points, Phoenix ne va plus dans toute cette finale dépasser les 101 points. Sinon, ils vont même mettre moins de 100 points les deux fois. Ils vont mettre seulement, je parle de leur défaite, ils vont mettre une fois 106 points dans un match gagné, mais comme vengeance terrible, Dallas va aller finir la série à Phoenix. Dirk Nowitzki va aller finir la série à Phoenix aussi, sur les terres de Steve Nash. Il va aller finir cette série là-bas de façon aussi épique. Hein. Dallas va se retrouver en finale. Et cette finale qu'ils vont perdre, hein, on se rappelle bien, finale terrible contre Miami de Shaquille O'Neal et de Dwayne Wade. Mais en tout cas, j'invite les jeunes à aller voir cette histoire parce que c'était palpitant, parce que c'était vraiment le début d'une haine terrible à cause d'un joueur qui n'avait rien demandé, qui a été tradé, mais qui a dû venir battre son ancienne équipe, son équipe de cœur. Il a dû aller là-bas, leur infliger la victoire. Et l'année suivante, son ami, son meilleur ami qu'il avait eu, Dirk Nowitzki, va devoir prendre sa revanche sur lui et aller battre Phoenix sur leur terre. Donc, ce sont ces petites histoires de play-off, moi, qui m'ont passionné. Hein. C'était ces deux-là que je voulais raconter pour les années 2000 parce que les anciens se rappellent du Game 7. Le Game 7 de Los Angeles, je voulais revenir dessus pour les plus jeunes, mais de parler d'une série moins connue, on en parle très peu. Il n'y a pas eu besoin d'un Game 7 hein, pour qu'on dise que ce soit une big série.
il n'y a pas eu besoin d'un game set. Mais l'intensité de cette série, par la haine qui a commencé entre les deux équipes, a fait que pendant 2 ans d'affilée, on a eu droit vraiment à une grosse, grosse série de play-off conférence Ouest. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà pour cette excellente rubrique. Alors, Adrien, oui. Quelques souvenirs qui te sont revenus en mémoire, hein? Oui, il a parlé de la série, la première série de Dallas 2006, où Dallas bat Phoenix et va perdre en finale. Et je voulais lui rappeler l'année qui suit où Dallas est meilleure équipe de la NBA. C'est vrai. Et par la grande surprise, perd premier tour des playoffs contre le Golden State de Baron Davis. D'ailleurs, je compte bien parler d'une série. Tu parlais de Golden State. On se rappelle la série épique de Golden State contre Utah. Cette série où Golden State, on les voyait pas. Où le fameux ignore face du Baron Davis Voilà, le fameux ignore face du Baron Davis sur le AK-47 de Kalashnikov, Andriy Kirilenko. C'est ce In Your Face qui a marqué vraiment les meubles, les jeunes. Quand ils voient ça, ils ont envie de voir cette série. C'est vrai. Ils ont envie de voir cette série. Mais alors, les gens ne savent pas que malgré ça, Utah va quand même leur infliger 4-1. Parce que beaucoup voient juste ça comme ça. Mais Utah va quand même fesser cette année-là Golden State. Cette année-là, Deron Williams, c'était... Oui, voilà, tout feu, tout flamme. Hein. C'était pour vrai, l'état pour basketteur. Phil. Oui, le doc. Je profite des auditeurs qui sont là et ceux qui vont réécouter. Je m'excuse encore parce que bon, déjà, j'ai eu des problèmes de connexion et les souvenirs pour qu'ils viennent, j'étais un peu perturbé. Mais j'ai beaucoup confondu Kid parce que Kid de Phoenix et Steve Nash de Phoenix, c'était quand même du haut niveau. De basket. Phoenix avait eu cette chance de remplacer Kidd par Steve Nash, une grande chance hein, d'avoir deux tels meneurs dans son effectif. Mais la semaine prochaine, j'essaierai de me rattraper en faisant plaisir à des anciens et en parlant d'une série quand même de finale. Mopo, si tu es connecté, tu vas kiffer parce que là, je pense que je vais parler avec les larmes aux yeux de cette série entre Houston, mais je veux parler d'une finale NBA, c'est une série de quand même. Houston, c'est d'abord que tu te réveilles, que tu décuves ton vin d'abord pour être là. Oui, oui, mais là, c'est encore un dolet avec un biboile, avant d'abord de venir parler de ça. Parce que la finale 14 entre Houston et New York, que tous les jeunes aillent voir ça. C'est épique. J'ai pleuré. Moi, j'en ai pleuré. J'avais que... Olajuwon contre Patrick. J'ai pleuré parce que je voulais que New York enfin débarrassé de Michael Jordan par la malchance d'un des CSR. Mais je me disais, c'est notre année. J'aimais trop les Knicks. Je disais, ça, c'est notre année. Ce gars n'est plus là. Et cette finale, pour moi, c'est dans l'histoire des finales. La finale de 2016 qui a été vraiment... Deux meilleurs pivots de légende. C'est la finale la plus intense de l'histoire. C'est vraiment et je reviendrai pour les années 2000 rapidement en 2008 une série que les gens n'ont peut-être pas connue, les Spurs contre la Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans de Chris Paul contre les Spurs, la demi-finale de conférence. Beaucoup ne se rappellent pas d'elle. Mais qu'ils aillent déjà voir, ils vont comprendre pourquoi c'est une grosse série épique. En tout cas, on a hâte d'entendre déjà la prochaine rubrique avec cette opposition entre les Rockets de Houston et les Knicks de New York. D'ailleurs, moi, c'est une série que j'ai particulièrement appréciée. Hein, qui, comme tu l'as dit, qui a vraiment fait couler des larmes sur tous les parquets. À cette époque, c'était vraiment extraordinaire. Hein, Eddie, tu es là? Eddie, est-ce que tu es là? Alors, Eddie... Eddie fait fuir le plantain. Eddie qui fait fuir le plantain, comme le dit. Allô?
Oui, Eddie. Oui, c'est Big. Oui, je voulais simplement te dire, te demander si, enfin, juste te commenter en disant que, quel souvenir là, de revenir sur, sur ces playoffs avec Doc NP. Là, Eddie. Ouais, bien évidemment, surtout lorsqu'il a parlé de celle contre Portland, on avait l'impression de la revivre. Hein. Elle était vraiment dangereuse. Ouais. Nous le remercions vraiment pour ces moments, pour ces beaux moments du basketball. Chapeau pour le boulot. J'aimerais vraiment que les plus jeunes, s'ils ont le temps, comme Will la semaine dernière, aient envie d'aller voir. Parce que parfois sur YouTube, sûrement, on retrouve pas les résumés des 6 matchs ou des 7 matchs. Parce que à l'intérieur des matchs, ce qui se passe. Parce que ma parole ne peut pas montrer suffisamment l'intensité. Et surtout, on a vu ça au foot. Et même au basket, avec les Spurs, le dernier truc de l'ère, truc qu'ils ont fait contre le Miami en 2014, là. Des petits trucs où dans les vestiaires tu arrives, il n'y a pas d'eau, bien il n'y a pas de chauffage, ce genre de petits trucs. Les sabotages. On peut déstabiliser l'équipe. Le sabotage. Le sabotage. Les petits trucs comme ça où quand deux équipes ne s'aiment pas, les cars qui sont caillassés, les insultes des supporters, la pression. C'est ce qu'on voyait avant sur certaines séries où ça ne badinait pas. Les mecs, quand ils arrivaient, ils savaient qu'ils arrivaient vraiment en terre hostile. Le mot hostile, peut-être son nom. Quand je parlerai des séries, quand on joue contre Utah, quand tu jouais contre Utah, parce que quand il y a une série Houston contre Utah, le Houston de Olajuwon, Charles Barkley et de Drexler, contre le Utah Jazz, la série, moi, la plus dramatique de ma vie, parce que je pensais que j'allais voir Jordan contre Barkley, Olajuwon et Drexler, mais John Stockton me l'a refusé. Cette série, c'était une série d'un dramatique terrible. Ou bien tu te rappelles celle de Houston contre Phoenix avec le baiser, le kiss of the dead, le baiser de la mort de Mario Ely. Tuer Phoenix de Charles Barkley. Charles Barkley a vraiment eu une malchance. Lui, vraiment, sa carrière, c'est un drame. Et c'est les joueurs et les anciens n'arrêtent, ne manquent jamais de le lui rappeler. Kevin Garnett qui est encore moqué de Charles Barkley dernièrement sur son émission A21 Studio où il le cochait en disant qu'ils se sont lancés des vannes comme ça et bon tu sais la vanne concernant Barkley c'est qu'il n'a pas de titre donc il doit la fermer tout simplement. Mais pourtant les jeunes ne savent pas pourquoi il est autant respecté mais il faut savoir qu'il a toujours le plus grand respect dans la ligue. S'il y a vraiment un qui a failli battre Jordan, c'était lui, parce que c'est passé près. Tu ne peux pas mener de 5 points dans la dernière, ou à combien de secondes de la fin, dans les 40 secondes, je ne sais pas. Et après, tu pars à la demi-finale et pousser au game set. Tu ne peux pas, contre Houston, mener 3-1 contre Houston, alors que tu vas balayer Houston et peut-être arriver contre Orlando en finale et en finir avec Orlando, parce que tout le monde savait que Charles Barkley, que ce soit contre New York ou contre Orlando, c'était ce titre-là. Il n'y avait plus Jordan. Et après mais ce sont des séries dont on parlera. On reviendra dessus sans aucun doute. Donc ne manquez pas ça dès jeudi prochain pour le No New Basket épisode 11. Hein. On va attaquer bien entendu l'opposition entre les Clippers de New York et les Houston Rockets. Ça va être intense avec le Doc NP. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio off. Alors on va remercier nos fidèles auditeurs, tous ceux qui étaient connectés et bien entendu ceux qui étaient présents sur le parquet de la radio off. Adrien. Yep. Alors Adrien, on va dire que c'était ta première hein, sur le parquet de la radio off. Alors ton sentiment hein, par rapport à cette première émission avec nous sur le parquet, c'était bien non? Oui, tout à fait, très bien, très bien. Tu es à l'aise, il n'y a pas de stress. C'est comme au quad, comme on dit au pays. On a monopolisé la parole à un moment, c'était bien. Bienvenue.
C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Puis on espère que tu reviendras. Hein. Toi, tu as une copie des clés. Ok. Dès que tu as un peu de temps, tu veux participer, tu nous fais signe, il n'y a pas de souci. On t'invitera avec plaisir sur le parquet de la radio. Eddie! Ouais, le big. Eddie, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Très présent sur le parquet. Merci, pour le big. Merci basket. Ça fait un plaisir. Merci au Big Amar, une fois de plus, pour son narration. Voilà. Apprécié. Très utile, hein, pour surtout pour les jeunes. Et moi, j'adore particulièrement ce genre de rubrique. Ouais. Ça permet vraiment aux jeunes de recadrer un peu les choses, Eddie, hein, pour ceux qui n'ont pas connu certaines. Eddie. Certaines aspects de l'histoire de la ligue. Un mot pour. Amastin dit qu'ils sont à l'église, tu n'aurais pas ça. C'est vrai que la narration est aussi claire. C'est un dit qu'ils sont à la messe. Bon. Oui, Adrien, tu voulais dire La prochaine fois que je suis. La prochaine fois que je serai là, je vais vous parler un peu du. Ça me revient là, du championnat national junior 97. Ah, oui, ça c'est intéressant. Oui. Très très intéressant ça. Ça c'est très très intéressant cette petite rubrique Afrique Cameroun en particulier. C'est très très intéressant de revenir dessus. D'ailleurs, on le dit souvent avec Simon, hein, on milite toujours pour avoir des anciens ou bien ceux qui participent. Oui, je termine la phrase juste pour préciser qu'on milite toujours pour recevoir vraiment tous ceux qui peuvent partager avec nous ces histoires du 237 du basket du Cameroun, en particulier de l'Afrique en général, avec nous. Ça fait toujours ultra plaisir. Oui, Mopo. Il va vous parler de ces épopées des chirurgiens. Chirurgien, chef, docteur Ouna. Adrien, Ouna, sur le parquet de la radio. Je ne sais pas de quoi il parle. Tu ne sais pas absolument de quoi il parle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. On va clôturer l'émission de ce soir. On va remercier, bien entendu, tous ceux qui étaient connectés en direct live. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir été encore nombreux à nous suivre ce soir. On va donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour samedi. On espère que Rip Hamilton sera sur le parquet aussi. On espère que Rip Hamilton sera là sur le parquet de Radio Cop. Pour le flash basket. Mardi soir, c'est quoi le programme? Samedi? Mardi, ce sera... mardi, c'est le match des auditeurs. On va... Alors, généralement... Tu dis, le doc? Il faut qu'Adrien, il soit là. Ah, tu milites pour qu'il soit là. Hein. Mardi, c'est le match. Hein, c'est le jour où... Bon, on n'a pas encore le sujet là en tête, mais je te l'enverrai en off. On a encore quelques jours. Je t'envoie le sujet avant mardi. De toute façon, tu sauras. Ça marche. On sera très heureux. Merci d'avoir été avec nous, Adrien. Ça nous a fait très plaisir. Et on dit merci à tous ceux qui nous avaient suivis ce soir. Mopo, bonne nuit à tous. Et Mopo, on dit à samedi dès 22h30 pour nos fidèles auditeurs pour le flash. Ouais, samedi. Voilà. J'insiste que Rip Hamilton soit sur le parquet. Il doit être là. Oui, le riz. Eddie, tu as gagné tes galons hein, sur le parquet. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Hein, hein Eddie. Dribble derrière le dos. Dribble derrière le dos, sorti des crans. Eddie. C'est la mort. Eddie, tu as gagné tes galons sur le parquet. Hein, c'est pas tout le monde qui peut. On va faire comment le faire. On fait comment? Les gars, on me finit seulement. Allez, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Passez une très bonne fin de semaine. Et à samedi pour le prochain direct live Flash Basket à partir de 22h30, heure française. Passez une bonne nuit. Bonne fin de semaine. Ciao les gars. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Yeah.
êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. One of those top four seeds. Keep them out of the paint. You can't let them get out on the break. You can't give them easy points. You got to make them make jump shots. Lee connects on a jumper. A three down for Henson. Rose will pull. And great start for New York. They will review that three from Lee to make sure he's behind the line. In the corner, an answer. Just not finishing as well with all those injuries that he's had. Snell alone, he got it. I thought it was interesting, too, the way Jason Kidd talked about it. This nice little post play here by Porzingis. A little dream shake there and a fading joints of any Eastern Conference player thus far in the All-Star vote. Porzingis connects. Well, his balance is good. 5 points for Porzingis. Adetokounmpo, look out! If he starts it then. Terrific two-way player. Had a triple-double the other night. Against the Bulls as Adetokounmpo has scored the last 11 for Milwaukee. And the Knicks need a timeout from O'Quinn. Rose flashing through, lays it up and in with the left hand. So when he was starting, they lost his presence off the bench. Now he's where he should be. Parker, he caught it on a step back. You can't see your weakness. Jimmy Butler, another four-year guy. Anthony connects on a three. He led us in scoring about three straight Olympics. Rose whips it to Holiday. You bet. Meanwhile, Milwaukee is, they are fifth in the NBA in fast break points. Parker. He got it. Longy, Monroe, dumps it underneath. Five to shoot. Teletovic will pull. And connect. Jennings filling around the screen. Terry comes up with a steal. Jason Terry finding Adetokounmpo for the finish. The Jet. For New York wants to run more. They've got more speed and quickness on the floor. Adetokounmpo with his second three at six turnovers and seven possessions for New York. Teletovic got another. I just never had. Well, it's sort of funny when he did that. Giannis did not know he would see the tip in there by Joe. Giannis. Part of an article Lee Jenkins wrote for Sports Illustrated. I highly recommend. Wonderful profile of Giannis as Beasley puts it down. Something going here. The end of the second quarter, Milwaukee has controlled it thus far as Rose spins it in. Tonight, like they did the fourth quarter the other night. Parker goes baseline. Nice look to Henson, who puts it down. I think that's another good thing for Jason Kidd. Your star's got to learn to play with fouls. Parker somehow flipped that in. Perspective, though, Doug, that when they win, it's a team thing, but when they lose, it's all on Anthony as he cans the three. Really good big wing defender as well. Won a title at Duke with Miles Plumlee on the Bucks. As Brogdon again. 2-for-1 opportunity for New York. Nice look from Melo again. And Thomas with those 11 turnovers after they have assisted on 8 of 12 field goals in the first. A nice opening possession here in the third, though. 7-point game. Parker answers. Jabari Parker. With his third three at the guard them, and now they really want to get in the paint anyway. Ended a 9-0 Knicks run dating back to the end of the second. Another great look of shooting threes. The philosophy was kind of a master the inside out and work it out. Now they both have the green light. Anthony, that jab step jumper. Instead, it's Adetokounmpo who does eventually turn it over. Rose bats it ahead. A heady pass by Derrick Rose. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.